Qui sont pas du monde? Est-ce que vous avez un bon labeur? Mais oui. Ça t'est calme. Si ça t'est calme. Bien sûr. Moi, je ne sais pas. Mais moi, pas ouais, pièce péché. Mais vous êtes fagouti. Mais oui, yo tout prêché. Yo prêché, yo n'y a pas fait pour yo tout. Ah, c'est joli, là-bas, le temps. Si, ma calé, c'est là, ma calé. Ma fait parler. Pendant que l'autre, il m'a arraché, je m'en 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 arraché, je vais aller où ça va? Avec un artiste assez particulier, vous en conviendrez, il a plusieurs cordes à son arc. On va le découvrir tout de suite. Monsieur Gali, Roger Gali, bonjour Monsieur Gali. Bonjour Michel. Comment allez-vous, ça va bien? Ça va bien, je suis heureux d'être avec toi et ici sur cette chaîne. Voilà, voilà, voilà. Alors on dira les frères Gali, Roger Gali. Alors finalement, lorsqu'on parle des frères Gali, on pense tout de suite au théâtre populaire, à la comédie. Alors d'abord, vous êtes originaire d'où les frères Gali? Donc, c'est maman, qui côté? Frères Gali, en principe, c'est des... Nous sommes de Trinité. Mon père est de Grand-Rivière. J'ai quand même sorti, vous êtes descendu en ville, faire mon frère, faire des épisodes. Tout partout, nous faisons Grand-Rivière, Morne-Rouge, Basse-Pointe, et Ajoupa-Bouillon, Mon-Capo-Lorrain. C'est international, mais... Là, m'habite Saint-Joseph. Papa, on a fait l'école, papa, on était directeur. Oui, était directeur d'école, m'habite Lamantin. Après ça, mon carité d'Icos. Après ça, mon carité d'Icos. J'ai 6 ans d'Icos. Attends, là où mon carité d'Icos, c'est pas la Holla, oui, non? Non, pas... à côté, la Holla, mon cadeau. Bon, la Holla. Mon cadeau, mon d'Icos. Tous les souhaits. Alors, nous avons dit, c'est qui? Nous avons la fête là où j'ai galé. Donc, le frère, c'est. Daniel Gali. Dani. Alors là, on parle des frères Gali, c'est une espèce de combinaison. D'ailleurs, il n'y a pas que des Gali dans les frères Gali. J'aurais bien aimé qu'on voit d'ailleurs une petite image de ces frères Gali assises. Vous autres qui ont discuté, on balance la première diapo. Alors, nous allons analyser l'image là, regardez nous vont. Macaro, les frères Gali. Alors, t'as là qui ni, t'as dit assises, doit être enfant, c'est où, le bijoumise blanc? Mais non, c'est Daniel. Daniel. T'as là gagné un chapeau, là. C'est moi. C'est où? Ah, où l'idée de couillon, là. C'est où le couillon, là. Quoi, bon, ils vont rouler. Et puis en face, des frères Gali, Maka, ouais, un monsieur, ça qui gêne, j'en ai arrivé d'épisode. Monsieur Remillon. Charles Remillon. Musicien aussi, hein, tout le temps. Musicien aussi, qui a, mais c'était le bon consac à écrit, hein. Ah, ouais, 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 ouais. Ah, oui. Le clan Gali. Oui, le genou. Voilà. Donc, on va voir peut-être les photos dans quelques instants. Le sens de l'amitié, tu le découvres, etc. Le sport, tu m'as dit que tu fais du basket. Les expériences théâtrales. Est-ce que tu faisais déjà des sketchs? Non. Ouais. Michel, ça s'est révélé quand j'ai décidé d'aller, d'être moniteur de colonie de vacances. À cette époque-là, il fallait avoir 18 ans. Mm-hmm. Qui c'est qui m'a lancé là-dedans? C'est Daniel qui a commencé, puisqu'il est plus grand que moi. Ouais, ouais, ouais. Daniel n'est un an plus qu'il m'est. Mm-hmm. Bon, même s'il m'a plus grand de taille, mais il est plus grand qu'il m'est d'âge. Ouais, ouais. Et puis, je l'ai suivi. Cette histoire de sketch, tu as découvert ça plus tard. Tu continues plus tard, oui. Ce que tu disais. Mm-hmm. J'étais Daniel là, allait décider d'y faire moniteur rouleau. Ouais. Et comme bon, pour s'occuper, pour avoir une activité de bonnes vacances, j'ai suivi. Et c'était une bonne chose parce que on a découvert plein de choses. Ah. Et c'est de là que se sont révélés les frères Gali. C'est voilà, de là que voilà, sont nés les frères Gali. Zaza, parce que y'a du coup, c'est au premier employeur, le grand beau tout bonnement. Oh, grand surface, c'est grand modèle qui est en unité du coffre là, Zaza. Oh, bec, c'est ton papier. Eh ben, non, monsieur, c'est la grande surface, parce qu'on pas qu'à ouer des billes, ou pas qu'à ouer la paix. En fait, Zaza, crier, manger, rouler, c'est l'essentiel, et en dedans, c'est ça, mon bouton. Mais qui ça? Ah, vous voulez marcher seul? Mais qui ça, Zaza? Ça, 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 ça
Gaga, c'est l'occasion ça a monté quelqu'un pour mettre un blanc partout. L'autre voilà, nous allons propre. Depuis qu'on nous vire là, tout bagaille au disco. Manger au disco. Danser au disco. Ou aller acheter un robe l'autre jour là. Quand un robe disco ou acheter, m'a pas de voyer. Actuellement, ou qu'a fait mon ouais, sans soulier disco ou qu'a acheté, et puis qu'a formal. Et bien madame, si y'a bien la misère. C'est ça, mais pas qu'à crier. D'ailleurs, c'est toi qui me tiens, content. Eh oui, mais ça, c'est pour ça qu'elle dit, Marie, t'as tombé derrière. C'est vrai, et puis toute parole, il dit tout, ou elle, il dit là. Ou pas qu'à ouais, puis est-ce qu'elle dit, dès qu'elle s'en est là, il a qu'à commencer à creuser, faut que vous changez, yo. Voulez-vous attendre? Chaque chose, on s'entend, Michel. Dada, je m'excuse. Bien, parce que, ça, on l'est là, c'est on l'est là, t'as qu'à trouver. Ah, c'est au premier. Ah, ou ça, ça. Mais moi-même, quand j'allais par là, puisque mon épouse, ouais, dis-moi, quand je pouvais, tu bouteilles, moi, hein. Zaza, allez par là, moi-même, là, quand je suis par l'autre côté, hein. Et puis, nous, quand ils viennent plus bas. C'est entendu. Et j'en content. C'est de qui ça? Bah, pourquoi aller ou j'en crié, ben? Mais oui, mais bah, là, deuxième, là, mon pas, ouais, mon chef. En belle maillot, mon prend l'œil. Qui ça, on dit, hein? En belle maillot, mon frère, comment tu plaisir? Zaza, au maillot, dit. Mais Zaza, mais pourquoi faire folie là actuellement? Vous voyez ça que l'homme était quoi en maillot, ou vous soufflez après disant ça comme t'es. Mais c'est pas là, faites pas qu'à faire. Vous Zaza, mais ça c'est bagaille pour qui la gêne. Gardez Britel là. Un petit ficelle qui a servi de Britel, mais Zaza, gros ça où il y a, vous mettez, j'ai pété. C'est pas Zaza, pas que les bras de pied trouvent les l'état encore. Mais quand tu dis, fais ça fait, hein. Puis porte-monnaie pour payer au dit alors moins que payer en bouteille vous m'en pouvez pas jamais vous payez ou ça pièce vous avez ça tel qui m'en connaît comme moi m'en canis foutez comme moi à cal patate à l'aide m'en canis si c'est tout bon blanc qu'il a aïe c'est pas ça pas fait ça non mais si nous pas d'oignon les tout ce vous ça ou fait ça y'a dit Marie madame blanc c'est un mal Viens sur la carrière artistique, les frères Galli. Le concept, c'était quoi? De le faire concept, des scènes concept, de société? C'était, non, le concept est parti de la colonie de vacances. Ouais. On ne dit plus ça maintenant, on ne dit plus colonie de vacances, on dit ACM. Centre de loisirs sans hébergement. Accueil de ouais. Collectif de mineurs. Voilà, alors, là, on voit les frères Galli, par exemple. Ouais. Ouais. Alors, chaque personnage avait une caractéristique. Daniel, ton frère, c'était un sportif, etc. Donc, lui, si tu veux, c'est le, c'est pas moi le grand bébé, le compagnon, un peu. Pratiquement le moteur aussi du groupe, hein. Ah oui. Non, mais dans son style, il compagne. Oui, dans son style, oui, oui. Et en même temps, il est un petit peu, il est coach, il est moniteur de sport. Ah oui, aussi. Il est. Comme il toi, comédien, enseignant aussi. Il a été prof. Oui, il a été prof. Prof de collège, par contre. Ouais, ouais, ouais. Ah oui. Alors toi, dans le cadre des frères Galli. Tu es un comédien, mais un petit peu plus raisonnable. Oui, l'aristocrate comédien. Aristocrate, ce qu'on disait, celui qui prend toujours le rôle du plus... Oui, un patron, quoi. Un patron, c'est comme ça. Donc, nous, on est sacoué, c'est où il y a tout. Pour faire, par exemple, nous faisons en sketchant l'école là, moi, c'est moi qui t'ai mettre l'école, par exemple. Le rôle de dominant, pas de dominant, ça, en fait. Pas de dominant, mais... Mais c'est toi le patron, quoi. Oui, c'est toi qui donne l'exemple, oui, etc. Voilà. Et puis, vous intégrez un autre ami que j'aime bien, c'est Charles Rémillon. Charles Rémillon. À quel moment vous intégrez Charles? Eh bien, on a rencontré Charles en colonie. En colonie, c'est toujours oui. Les colonies. Ah oui. Ah, oui, ouais. C'est là qu'il s'est révélé comédien.
Ah bon? Ouais, ah oui. Ouais. Parce qu'on va revenir. Et puis, parce que lui, en même temps, il jouait déjà son style bonne. Ouais. Donc, on regarde encore les frères Galli, oui. Notre affiche encore. Donc, ça t'a permis quand même de retrouver ce côté populaire, parce que les frères Galli, ce qu'on disait dans les fêtes patronales, etc. Ah oui, on a manqué une génération. Et c'est dommage parce que les jeunes ne connaissent pas. Ouais. Mais justement, on arrive à. Là, il y a même l'épouse de Daniel qui est intégrée avec vous aussi, avec des petits rôles de secrétaire. Voilà. Monsieur le préfet vous dit bonjour. Bonjour. Et il vous rappelle que, selon le code pénal, page 8 777 657 463 657 554, alinéa 1, que toute dévergondagerie, toute vagabondagerie, toute ricanerie sur la voie publique seront punis sévèrement. À bon entendeur, salut. Yotipé. Allez, bien interrompu, Yotipé. Et qu'à ton opponé. Idéotipé. Bonjour. Bonjour. Oh, il dit même bonjour, il va même garder moi. Ça? Ça, c'est un homme qui est en travail. Et excusez-moi, est-ce que c'est bien ici à la préfecture, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Et excusez-moi, il m'a demandé ça, c'est parce que mon père m'a couillonné comme moi. m'a parlé à l'un côté, et puis m'a dit, bon, m'a dit, milice pain. Et puis m'a dit, mais non, c'est soulier au cabane ici. Bon, monsieur, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Eh bien, m'a venu pour m'acheter un passeport. Mais monsieur, asseyez-vous. Et attendez, car j'ai du travail. Il dit, moi, asseyez-vous et attendez. Il pas même savent si c'est un homme, si c'est un femme. mais des mouns comme ça. Mando, les ouais, nous qui sortis de là, il y en a qui battent de l'autre côté, camarade. 5 millions. Il dans les chiffres. Plus 400 000 francs. Ah, t'as assez en commerçant, hein? Plus. 2 milliards. Sans doute, c'est un médecin et spécialiste. Moi, ça va arriver là. Hein? C'est les impôts. C'est sinon, ça va toucher ou qu'à payer les impôts. Plus 750 000 francs. T'as sans douanier. Plus 50 francs. T'as sans malheureux. Plus 2 francs. Moi, t'es sans douanier. T'as c'est moins. Plus 0,000000 2 centimes. T'as pas gagné une pièce? En rasta? Ouais, mais c'est le bagaille. Coûte à les impôts, pas mentir. Yo. Rasta qui rasta qui a payé les impôts. Plus 100 millions. Ah, sous modèle, il décolle. T'as un aviateur. Égal. Alors, nous disons 1 plus 1 égale 2 égale 3, 4, 5 plus 1, 6, hein. 7 plus 1 égale 8, 9, 10, 15, 25, 32, 44, 48. Je pose 8 et je retiens 1. Ouais, c'est pas l'échappé, hein. Vous gars posez 8 par là et puis tu es bien pas coupable. Et quand vous le connaissez. Ça, c'est un bon qui est sérieux. Parce que la vie, quand vous le connaissez, parce que là, d'un bureau, mon père, même téléphone. Allô, bonjour. Bonjour, secrétaire. Ah, c'est ma première secrétaire? Oui, secrétaire. Il m'a mis un petit bras. Oui, voilà, je suis bien tombé. Dites-moi, est-ce que vous avez fait réparer ma calculatrice déjà? Ce n'est pas encore fait, monsieur le préfet, je m'excuse. C'est pas fait? Ah là là. Non, monsieur le préfet. Aïe, aïe, aïe. Vous l'aurez peut-être demain. Ah, demain, vous dites? Mais non, mais que c'est vous, mais demain quand même. Ah bien, non, mais écoutez, je ne vais pas attendre demain. Si vous voulez, je peux vous passer ma calculatrice. Mais non, je vais faire à la main. Eh bien, faites comme vous pouvez, quoi. Oui, je vais faire comme je peux. Nous t'as correspondu. Maintenant, nous te cantons. Eh bien, actuellement, bien au revoir. Au revoir, hein. Monsieur, vous voyez ce qui m'arrive là? Moi, ça m'a aussi que nous, que comme attendez, hein. Je finis ça. Oui, mais attendez. 5 millions. Mais ouais, mais...
à la place où moi, je m'en pas créé, il paye depuis le début. 2 milliards. Plus 750 000 francs. Plus 2 francs. Plus ça égale. Monsieur, je vais vite, hein. Ah, eh ben, première fois dans le bureau, un monde qui allait vite, bon, moi. Monsieur, ça peut aller comme ça? Ouais, mais pas déraper quand même, hein. Parce que si vous plantez banane d'accord, même si vous manquez souffert, hein, bah. Tu dormais? Vous voulez lever l'autre dans la cabane pour servir avant moi. Comment ça va? La santé, ça se maintient? Ouais, ouais, alors santé est bon là-bas. Oui. Eh ben, dis qu'on s'accorde ici, attention, mon temps. Parce qu'on peut pas dire, même quand on va téléphoner, on est là, on va lever, et puis moi-même, on va comme ça. Ça veut nous aider dans le téléphone. Non, en ce moment, j'ai un petit mal de tête, hein. Mais ça va passer. Mais pas regarde, pas un gros matin. Parce que moi-même, j'ai commencé à énerver dans mon sérieux. Non, je t'appelle pour te dire que la partie, la finale de Belote, on va faire ça ce soir. Pas plus que ça. Oui. On a parlé de Belote, moi-même, là, qu'à attendre. Moi, qu'à comprendre un homme sérieux, il est là, ou moi. Pense au whisky, hein. Oui, c'est ça. On t'a fiat, baby, ça. Bon, écoute, je ne serai pas loin avec toi, hein. J'ai un client à servir. Ouais, et puis dis comme ça. Si on pas servi, moi, c'est moi qui ai servi. Oui, c'est ça. Ah, écoute, Firmin est à côté de toi. Firmin. Oui. Même pas là. Oui. Dis-lui que je pense à elle, hein. Dis qu'on ça, c'est plutôt lui qui pense au. Après, Bobo m'a fait bon. Et puis, dis-lui que je l'emmène danser samedi soir, hein. Dis pas la peine. Oui. Parce que t'as les mecs à faire au val sans battable, là. Ah, rappelle-lui que c'est après Dallas, hein. Gars, juste ici, il y a Dallas qui a venu persécuter moi, mon mari. Mais non, c'est pas possible ce soir, parce qu'il y a la belote. Mais oui, mais pas garder belote là, Mando. Demain soir, c'est pas possible non plus. Ah, mais écoute, je dois aller à un concours de Smurf. Ça, quand il a mon passe à ton, là, ça, oui. Moi, c'est fait une déjà, ce maca, que vous faites rien à l'autre Smurf. C'est ça. Bon, eh bien, je te quitte, hein. Ah, ouais. Au revoir. Le roi, on peut décrocher le téléphone là, mon cadeau, ça m'a mis en échec. Mon cadeau, rien va te laver, donc. Bye bye. Eh ben, on dit bye bye, bye bye, Vous êtes à l'autre téléphone, il va accrocher. Ah, c'est pas entendu. Oui, comme c'est dit. Il va accrocher, oui. Hein. Oui. Ah, j'oubliais. J'ai failli de raccrocher. Mais, gars, comment il y a un téléphone, il va être pour cocher. Pendant que c'est pas où le m'enlever, cocher, monter d'ailleurs. Est-ce que tu pourras avaliser pour moi parce que je change ma voiture? Mon vieux taco, oui. Mon vieux taco, vous gagnez un vieux taco. Vous gagnez un Mercedes WDB. Alors, ça, on quitte pas de chez vous, Jésus, moi. C'est ça. Ouais. Non, il te faut deux passeports. Eh ben, alors, Zanimo, t'as jamais passeport, oui. Tu as noté un. Chien, ici, à 4 ans de taille. Pendant que maman pas mort dans pied. Une fiche de salaire. Oui. Et puis, tu me portes ça. Alors, je te vois à 11h30 pile, hein. S'il vous plaît. Oui. Parce que tout ton passé, dis-moi, on pas qu'à sortir ici à 11h30. Vous te demandez où on peut aller, bas. Bon, et bien plus tard, hein. C'est entendu. Bien, c'est. Oui. Pas qu'à coucher le téléphone, là, moi. C'est mon démon, il est nerveux. Pas qu'à même garder, hein. C'est vrai, mon vieux. Ça m'a fait un coup. Mais quand on y a un coup, tout à l'heure. Bon, écoute, je vais arranger ça, hein. À plus tard. Ah, actuellement, nous que causer. 5 millions, plus 2 milliards, plus 750 000 francs. C'est du bougla, oubliez-moi là. 50 francs, plus 2 francs, j'avais ça. J'avais ça. Plus ça. Achoum! Comment, monsieur, vous êtes là? Ah, beaucoup d'automne. Monsieur, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Il a dit, mais qu'est-ce qu'il y a pour vous? Mais moi, là, depuis un moment, et puis, parlez bon, moi, dis-moi, quelque chose, dis-moi, qui s'approche de money pour money passeport, là, money là, hein, pour mon pays. Ah, monsieur, vous voulez un passeport?
Eh bien, revenez la semaine prochaine, et monsieur, vous constatez que j'ai du travail. Attendez, attendez, doucement sous le pavé glissant quand la reine est en couche. Bon, t'as dit, mais revenez la semaine prochaine. Mais là, moi, y est plus. Puisque moi, d'où qu'on s'en m'a besoin pas si bon, pour me voyager, moi, aller l'autre bois, l'autre si maintenant qu'arrondi des deux si maintenant, et tu m'as doublé dans les gars là. Monsieur. Alors, dis avant là, bien. Monsieur, veuillez m'excuser, parce que, ici, à ce bureau, on est toujours calme et souriant. Voilà. Mon pas d'oublier, mon chien, bah, mais dis-moi, bagay, qui ça, combien la ramandou? Monsieur, je ne vous ai pas donné la liste des papiers qu'il faut avoir. Mais, pas bon, ni papa, ni pied. C'est moi qui m'en dis pas, ou pied. Eh bien, monsieur, veuillez m'excuser. Bon, monsieur, asseyez-vous et notez ça, hein. Et attends. À l'heure qu'il est, mon parlé ou en chaise en zier. Alors, m'en doubou, dis-moi, sors à dis-moi là. Bon. Eh bien, monsieur, voilà. Ouvrez vos oreilles grands, hein. Et portez-moi votre permis de chasse. Vous l'avez. Mais en toute manière, moi, ni, quand il en visite d'audiole. Eh bien, monsieur, vous me portez ça. Oui, maman, ma fait porter. Bon, le papier, hein. Papier, hein? Oui. Mais moi, quand on prend ce lot là, moi, je vais venir, moi, quand mettre ça bon banon, on Monsieur, pouvez-vous me porter un extrait d'acte de naissance de votre aïeul? Attends, attends, on va aller d'acte trop vite, bon. Extrait d'acte de naissance, moi, ça, là, il y aura pas ça, l'embérie, même si m'entrangle, il y en a de toi. Mais, aïeul, c'est qui ça? Parce que moi, je connais Tiel, ou café de thé, puis. Mais aïeul, c'est qui ça? Est-ce que c'est café ou café, puis? Mais monsieur, ce n'est pas à moi de vous apprendre ça. Vous n'êtes pas à l'école ici, j'ai mon travail à faire. Mais c'est pas la Olivier qui chaillot là non plus. Il a fait mon travail comme quoi là, on me pose une question, on va répondre à la question posée. Eh bien, monsieur, je vais vous instruire. Puisque vous le voulez. C'est ça, ouais, c'est vous faites. Votre aïeul, monsieur, c'est votre arrière, derrière grand-mère. Ouais, encore comme ça. Eh bien, roulez, jeunesse, panifé, rouge, m'empressé. Vous me portez également, monsieur, un extrait de casier judiciaire propre. Ah, pourquoi? Ta mère propre. Parce que maintenant, il y en a la semaine passée. Mais, mon nom qui écrit là, mon Dieu, il était tout petit virgule libre. Il soulignait des petits bagailles en rouge quelquefois, deux ou trois fois. Et puis, il plaint, mais pas une pièce tache dans l'œil. Il prend toute première feuille là. Il matait, puisque peut-être pas tenir à ses pas. Et puis, il pleut, mais pas ni pièce tache dans l'œil. Vous pouvez gagner ça, vous. Monsieur, portez-moi les papiers, je verrai moi-même. C'est mon travail, me semble-t-il, hein. Oui, parce que moi, ça, mais, à souille, y'a qu'à dire tout ça, m'en fait, depuis le où m'en tout petit. Oui, bon, on verra, monsieur. Bon, monsieur, vous pouvez me donner ça tout de suite, là. Votre nom. Ouais. Monsieur Majesté. Messier. Eh ben, Mathieu, messier, m'en pas comme un adou, quand même. Virgule. Cocolo Faille. Mais, qu'a gardé, moi. Cocolo, plus loin, Faille. Qu'on y est, Faille. Mais, actuellement, c'est moi qui a mon tour. Bon, monsieur, voilà, ça va. Maintenant, et vous devez le savoir aussi, vos diplômes, donnez-moi ça tout de suite. Oui, Mathieu, Daniel Béni. Première communion avec mention. Insuffisant. Quant à deuxième, là, mon panier champagne, où ça pouti? Parce que là où le mercredi après-midi qui arrive pour m'apprendre l'issue au catégisme, eh bien, ça l'est à papa, moi, qui a sorti là, il sorti là. Et puis, il a dit, moi, bon, mon zeb m'en fait ma cochon. Zeb m'en fait ma lapin. Et la vaisselle pour m'en faire. Maman, m'en cabre, m'en gros drap pour laver, puisqu'il dit, mais t'il en met là trop faible, et puis c'est gros, l'en qui bon pour ça. Et puis, pas comprendre ça fini, non? Les Adam en dit dans chambre, on attend. C'est moi qui pour aller changer tiens mail là, il fait son besoin. Et puis, là, on comprend, là, Bon, monsieur, arrêtez, mais je n'ai pas besoin de tout ça, je n'ai pas besoin de savoir ça. Ah bon, parce que moi, je suis bon, oui. Monsieur. Savez-vous lire? Un peu. Des lèvres. Quelquefois. Guerre. Pas si tant. Le temps de la haute autrefois. Enfin, Mathieu, il sait pourrait peut-être. Monsieur, savez-vous écrire? C'est selon. Eh ben, Mathieu, c'est selon. Monsieur, si vous dites moi écrit papa, moi que ça venait trois pères à donner. Mais si vous dites moi écrit, entitue constitutionnellement,
n'a vu trop de nos ordres, tout ça. M'en pégué ça, m'en pas retenu tout ça. Bon, monsieur, portez-moi tous ces papiers et je vous donne votre passeport dans les plus brefs délais. C'est ça, moi, maintenant, dis-moi, pour nous virer comme malade. Dans les plus brefs délais. C'est millions. Attends, 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 avant de commencer à compter. Dans les plus brefs délais, c'est qui joue? Demain ou bien après demain? Eh bien, non, monsieur, ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est donc jeudi, à ma calme. Non, monsieur, mais ça ne peut pas être aujourd'hui. Voyez le travail que j'ai. Et pour me permettre de finir ce travail, dans les plus brefs délais, cela veut dire dans 9 mois et demi, ni plus, ni moins. Attends, nous sommes accouchement. Mais pas du tout, petit bagage seulement. C'est le bagage, mon commando. Est-ce que vous les bambins pas si portent là, ou bien ou pas les bambins? Monsieur, je vous ai déjà dit quelque chose et je ne reviendrai pas sur ma décision. C'est millions. Ça de monsieur. Deux choses l'une. Est-ce que vous les bambins ou bien vous parlez? Monsieur, vous m'embêtez parce que ce serait le président de la République. Ce serait mon papa. Ce serait ma maman. Ce serait le même délai. Alors, monsieur, je ne vois pas pourquoi il faut vous faire des faveurs. Monsieur, qui êtes-vous? Eh ben, mon pas ni le président de la République, ni papa ou ni maman. Parce que toutes ces mounta, m'en certain, yo jamais passé pour yo. Et m'en sa koumanye, en bas table. C'est comme ça, ça qu'a fait. Alors, m'en ka viré d'où pour ça? Est-ce qu'on va pas moui? Monsieur, j'ai déjà parlé, vous m'empêchez de faire mon travail. Oh là là, il est embêtanche. Oh! Alors, pour ça, y'a m'en ka mon pétan, alors. Plus. 400 000 francs. Ah, on fait chuchuchu. Comme vous voulez papier, mais allez chercher papier. Bon, maintenant, c'est ton grand bac. Plus 50 francs. Firmé! 2 francs. Oh, dites-moi, il a la vendée. Amine. Firmé! S'il vous plaît. On est pour un papier à derrière, commande là-bas, papa. Mais non, pas papier, ça là. Oh, dernier train, on y a, il y a des sacs, non. Papier long, grand. Oui, actuellement, nous d'accord. 18. Messieurs et dames, bonjour. Bonjour. Et qu'est-ce qu'il y a pour toi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu souhaiterais avoir? Hein? Tu me dis toi? Alors, oui. Moi, tu coûtes la m'emporter, pas même plus les deux, pas de l'homme, pas l'homme. Pourquoi tu toyais, moi? Et puis, chalet, allez dans l'eau. Alors, qu'est-ce qu'il te faudrait? Mais non, c'est pas, il m'a venu d'où un petit bonjour, et puis, au con, ça, peut-être, moi, c'est un calbas. Il pas carré, t'aimes tout ça, au dit, moi, là. Ah bon, mais qu'est-ce que je t'ai dit? Mais, je ne dis pas. Oui, mes affaires, moi, tu l'as passé pour, mais moi, mon fils. Tu voulais passeport? Mais, non, c'est ce que tu voulais. Ben voilà. Mais tiens, mais ici, on te donne ça tout seul. Eh ben, ou quand fait la magie? Passeport, là, venu dans ma main. Hop! Attends, attends, attends. Mais, il n'y a pas de photo mal. Ah, là, 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 là. Mais non, c'est pas la peine, chocolat, petit go. Oh. Attends, non, 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 ici, on fait les photos. J'ai fait tomber, moi. Non, ici, on fait ça tout de suite. Ou pas qu'à dire, moi, ça, moi, je vais porter la valise, moi. Assieds-toi, là. Et ne bouge plus, hein. Allez, regarde pas ici. Tu es prêt, hein? Oui, j'ai prêt. Ouais, ou qu'à faire mon carré, ça, pour qu'à vous époncer en les mains, puis mon passage, il mettait. Hé, attends, attends. Oui. Moi, quoi, la folie, quand par où? Quoi? Mais on mettait à parler la pied pour tête comment? Ah ouais. Au ras là, on te fait photographier bon non? Et pour te dire, c'est moi qui l'a. Allez, fais allez, place-toi. Moi, oui. Moi, j'ai pas à peu près. Eh bien, déride ton visage. Hein? Tu as pas compris. Mets un petit visage propre. Attends, moi, j'ai bien beau matin. Mon balle, mon balle, mon balle, petit visage plaisant. Attends, attends, mais pourquoi j'ai au courant ça? Attends, attends, je vais pas compris. Je vais pas déplacer tout là, peut-être que c'est ça qui va faire parler philosophique comme ça. Mets un petit visage agréable. Descends petit tac encore. Venez au raté, convaincu. Mets un petit visage souriant. C'est ça, on te le dit pas là. Oui. Eh ben bon, on te garde pas là quoi, nous sommes de l'homme. Allez, fais ça. Oui, oui, attends, oui, moi j'apparais. Clic, clac! Appareil, on va sortir métropole. Pour qui? Il boude. Ah bon? Ouais. Bon, eh ben. Bah, bon, eh ben, ton père, bon, fois. Pas démonter pour un tout quand même, hein. Eh ben. Alors, et le papier au dimanche, on va porter ça n'importe où, bon, hein. Ah bon? N'importe où, on va virer, on va porter le papier au dimanche, bon. Oui, mais qu'est-ce qui t'a parlé de papier? Tu n'as pas besoin de ça. Mais oui, sans joie que dis-moi ça là. Ah bon? Dis-moi le papier. Mais non, mais qui t'a raconté ça? Mais c'est pas vrai. Ah bon, pas de besoin de papier, mais non. Ça va faire vite, moi, dans l'argent. Non, 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 au contraire, combien je te dois? Eh ben, c'est où t'as joué, moi? Eh ben, commencez pas par me croire, parce que après, puis le reste, nous commençons après. Ouais, tiens. Et puis, il est vrai que chaque semaine, mon gars, il va en bas. C'est pas fort, ça, il y a. Eh ben, gagne la couille là-bas, qui te bureau, tout carte, ben, mon téléphone, eh ben. Ah, et reste maman t'es venu et puis syndicat, moi. Là, là, c'est un tournage qu'on a fait avec Mr. Love. Ah. On avait monté un spectacle, on a fait le foyer de Bellevue.
On est même parti en Guadeloupe avec ce spectacle-là. Et Oumul me disait ça, Ouzéli me disait ça dernièrement, il me disait que vraiment ça c'est un bon souvenir ça de notre collaboration. C'était une expérience, un excellent spectacle qu'on avait fait là. Voilà. C'est même pas sûr qu'on pouvait arriver à refaire ça. Il l'offre chanter avec sa guitare et c'était magnifique ce spectacle-là. Eh bien justement, là, on va arriver sur la nouvelle scène, comme on dit. À l'époque, tu avais des petits Fabrice en Guadeloupe, en Martinique, tu avais quand même Alcindo. Bon, c'était pas tout à fait des sketchs, c'était un chansonnier. Oui, il y avait Tibouboul. Tibouboul. Oui, mais c'était les seuls. Ah. Et à un moment, lorsque notre premier CD est sorti, tu as vu le jaune là, avec les trois médaillons, les quatre médaillons là, en même temps sortait le petit Fabrice. Mais notre CD, est-ce que ça vous a fait de l'ombre? On revient là-dessus. Est-ce que ça vous a fait de l'ombre? Non. Notre CD a pris du retard parce qu'il fallait faire un en Amérique. C'était avec Rico Moncialon que tu connais. Ouais, oui, mais c'est lui qui a produit ce CD-là. Hein. Et à l'époque, il travaillait avec Narayadou. Les trois ans, la production, trois ans, Jackie. Ouais. Et puis ça a pris du retard, puisqu'il y avait une même production en même temps, c'était la percussion aussi. Oui, oui. Tous ces disques-là avaient pris du retard. Et le petit Fabrice est sorti avant nous. Et lorsque le petit Fabrice est sorti avant nous, il dit, ouais, mais le Fogali, le petit Fabrice, oui, c'est magnifique, il a joué en pièce, mais ça vous a perdu un petit peu quand même, non? Non, ah non. Parce que le petit Fabrice avait la cote, attention. Oui, il avait la cote. Par exemple, quand vous étiez en Guadeloupe, parce que les gens connaissaient déjà les Fogali en Guadeloupe. Ah oui. Ah oui. Et on a fait un spectacle avec petit Fabrice. Et les Fogali? Les Fogali, et puis. Les Guadeloupéens aussi? Non, Loulou Bois-la-Ville. Ah bon, un gros spectacle en Guadeloupe? On a fait une tournée en Guadeloupe. Ouais. On faisait ça comme. On a même fait des séances de supplémentaires. Alors, si je te raconte. C'est une affaire qui marchait beaucoup, quoi. Ouais. Oui, si je te raconte. À l'époque, j'étais enseignant. Et ils ont prolongé les spectacles. Alors après l'école, vous travaillez, ouais, je vois après l'école, j'ai pris un avion taxi pour aller jouer et revenir le lendemain pour aller assurer ma classe. Monsieur Gali, moi c'est un jet privé, ou quoi, un jet privé. Je ne sacrifiais pas ma classe ni quoi que ce soit pour pratiquer mon spectacle, ouais. Ni même mon art photographique. On va arriver sur la photographie tout à l'heure. Donc, c'est une belle époque, l'époque. Ah oui, c'est une des gens qui s'amusent, des gens qui rient. On assistait ensuite, etc. À l'arrivée de nouvelles troupes, on va pas toutes les citer. On passe, ton ami, ça a été une initiation. On passe, ça a été une initiation, quand il y a là. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'on fait? Eh ben, moi là, mais où est-ce que tu sorti là? Quand tu l'as passé? Ah, pour qui ça n'est pas créatif, mandat? Non, c'est pas la location familiale, c'est pile, c'est une mémoire Maurice Souvray. Ah, mais Maurice Souvray, t'as menti, pas moins nouvelle là. Eh ben, venez, ouais, regardez. Pourquoi vous voyez mon gars pour plaisir? Je sais en bas, admise à la classe supérieure. Eh ben, si maman, il a bonne satisfaction. Mais oui, mais c'est pas tout. Regardez ça, mathématiques, chaise. Mais attends, tu dis, maman, il t'apprend ça, mon cher. Français, 17. Ta moyenne pour 20 l'année passée. Musique, 18. Ah, oui, t'as fait chimer, hein. Ouais, et vous savez bien, frère, dans l'orchestre, c'est le bon, hein. Pas du tout, je pète, que c'est moi, à donner qu'il monte ça. Ouais, mais comment ça vous envoie assez? Mais, moi, dis, on s'en manque à bon, petit plaisir actuellement. Hermancio! Maman! Apportez-moi les billets. Oui, maman. Vous savez comment ça y fait? Et j'ai accouru, j'ai connecté, j'ai dit maman, il est arrivé là. Tiens, maman. Merci, oui, ok. J'ai quoi, j'ai allé là. Bon Dieu. Oui. Si maman, il a enquêté qu'on avocat, là, il passe qu'à partir là, qu'on ingénieur. Mais c'est mon content. Et puis, gardez ça. Regarde ça. En bas, passe à la classe supérieure. Mais pour qui ça a ratisé comme ça? Pour qui ça a grigé comme ça? Ça qui fait ça? Madeleine, je vais te dire. Hier après-midi, moi, les soukoué, wop, quand comment l'école là-dedans? Mais pour qui on fait ça? Mais je t'ai les redoublé. Et moi, dis, fais passer. C'est moi qui m'en mange. Mais où n'y doit faire ça? Ah, mais c'est ça mon frère, parce que tu m'en mange là, moi, ça me dit, pour qui faudra, qui l'école faudra y aller. Mais bon, regardez notre place. Ah, ah. Français B, mathématiques 3. Aïe, aïe, aïe. Mais pas bon. Mais Madeleine, t'occupe pas de ça. Ou pas professeur, c'est monsieur Akamaké Salolé là. Et puis moi-même, les malais, je m'achète le résultat final. Passe à la classe supérieure. Où est ça?
Eh ben, là, il y a mon âge. Regardez, regardez, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est vous qui me tient la position? Non, madame. Je suis le professeur principal de votre fille et je suis chargé de son orientation. Ah bon? Mais, ça y est, là. Mais, c'est vous qui avez dit qu'à nous. Si quand vous avez le choix de l'agriculture, si vous avez dans le commerce ou bien dans la médecine. Ah bon. Excusez-moi, madame. Est-ce bien vous, madame Hortense? Eh bien, oui, monsieur, en toute lettre. Ah bon, je croyais que je m'étais trompé. Non. Entrez, asseyez-vous, hein, monsieur. Mettez pas l'air, pardon. Bien, madame Hortense. Oui. J'irai tout de suite au cœur du problème. C'est vous qui êtes venu hier après-midi à l'école et vous avez, me semble-t-il, fait un désordre. Expliquez-vous. Eh bien oui, monsieur, excuse-moi, mais moi pas qu'à mettre de l'eau dans moi dis ça, moi n'y vous dis. Eh bien, madame, moi non plus, je ne mettrai pas de l'eau dans ma gueule, dans ma bouche, hein, pour vous dire ce que je pense. Voilà. Vous avez pris hier une décision tout à fait arbitraire et qui pourrait retomber sur la tête de votre enfant. Moi, je pense, et le conseil aussi, à penser que votre fille ferait mieux de rester en sixième pour mûrir et, étant donné cette maturité acquise, elle pourrait éventuellement sauter 2-3 classes et retomber en troisième. Et puis, c'est au cas où elle est dans le bâtiment, alors. Il n'en est pas question. J'ai dit qu'elle doit rester en classe pour mûrir, c'est tout. Mais pour manger un avocat, autant. Faut quitter lui. Eh bien, quitter lui là. Ah, Madeleine, ça va venir. Moi, je dis comme ça. Où la rivière pas connaître pour la où la mer? Où ça vit, chose à sauver, mais ta mère, pas ça, si qu'elle met en prière dans la langue. Alors, mets-toi là, laisse-moi parler, donc. Alors, monsieur, moi, je dis comme ça. J'ai qu'à dire ça, j'ai l'air. Mais t'as l'air, l'air que les patients cinquième, le gouvernement qu'a dit, il pourrit en sixième. Et puis, ça manque à faire, alors. Eh bien, madame, je vous arrête tout de suite. Vous avez l'air de dire que, qu'il existe un critère d'âge à l'éducation nationale. Mais oui, puisque l'âge là, quand il monte en l'air, en 3 ans. Eh bien, non, madame. À l'éducation nationale, excusez-moi, ça n'existe plus. Hein? Votre enfant pourrait avoir 18 ans, 23 ans, ou encore 34 ans et demi, elle pourra rester en sixième. Non, mais Madeleine... Si ça, maman, il a fait plus vos commissions, on m'a envoyé la musique, ça, cadonne. Quand tu envoies les commissions. Mais bah, tout ce que vous essayez à maman. Maman, ça. Et, monsieur. Madame. J'ai donné à tous les professeurs des oranges, des mandarines, un lot de mangandia, des cancambous, et vous pouvez dire, mais c'est résultat, ça, là, il y a aucun moment. Et madame, si je comprends bien, vous voulez dire que vous avez graissé la patte des professeurs. Mais monsieur, c'est plutôt Dieu et puis la meilleure m'a graissé. Enfin, vous n'avez pas compris. Je veux dire que vous avez donné à tous les professeurs un petit présent. Je tout, à tous les professeurs. Un lot de parquet de oranges, etc. Ça m'étonne, madame. Vous dites tous les professeurs et je suis le professeur principal de votre fille. Hein? Et je n'ai pas reçu, madame, une petite tranche de mandarine, rien du tout. Tu n'as pas eu d'orange? Non, madame. Et Madeleine, venez sauver, mais qui ça, tu m'en m'as, il a fait tout ça? Et de plus, il a demandé, ça va, si ma femme, ça va, chimère. Pas dit, mais bêtise. Et à mon ciel, maman. Ben, laissez peu. Me voilà. Et, bonjour, mon ça. Et tu mettais le paquet à m'envoyer, bah, toutes ces professions-là. Maman, j'ai eu. Femme, ça y est, maman, il a qu'à dire, voyons. Et puis, mon gars, tu es sale. Parce que, gars, quand si maman, il a qu'à bomber pour m'en faire passer là. Bon, on va tout là. Oh, t'as fait plus à ton calme, quoi, mon gars, il est aussi bon. Mais, allez, gars, il a dit, mais, il va trouver chef vieux mandarin, chef vieux bonhomme. Et puis, va pour faire ça, pour sauver la situation. Gardez ça. Pourquoi il dit ça qu'à marcher alors? Ça fait mal, je m'en dis. Et moi, j'ai dit, oui, on l'a tué, non, prends pas chez la tia sous table, fais vite, porter, il va profiter. Maman. Madame. Oui, monsieur. Ce que je viens d'entendre me permet de vous dire que je reste ferme sur ma position. Hein? Cette fille mérite de rester en sixième pour qu'elle apprenne que quand on lui donne une commission à faire, qu'elle la fasse correctement. Alors, donnez-moi le papier que je rectifie ensemble
Donnez-moi ça. C'est maman. Oui, attends, mais monsieur, excuse-moi. Si maman il a gêné, ni de l'air, il y a qu'à garer. Alors, accepte ce petit paquet-là. Voilà, monsieur, ce sont les fruits du jardin. Merci, madame, il ne fallait pas. Mais oui, c'est l'enfant qui a porté, hein. Eh bien, vous me voyez tout... Eh bien, tout remis, madame. Et, madame, je me permets de vous dire qu'à l'instant même, je vois la solution de tous vos problèmes à l'horizon. Ah, je suis contente. Oui. Et tout bien réfléchi, je pense que votre fille peut quand même accéder à la classe supérieure. Ah bon? Alors, monsieur, ce que tu as manqué là est bon? Mais, oui, madame. Et puis, quand je la regarde, je vois qu'elle paraît très intelligente. Ah oui, monsieur, elle est la fille de son père. Hein. Bon, madame, excusez-moi de partir si brusquement, mais j'ai beaucoup de choses à manger et à ranger chez moi. Ah bon, eh bien oui, monsieur, à plus tard. Au revoir. Au revoir. Alors, accompagne le monsieur et ma fille, s'il te plaît. Oui, maman. Attends, je m'accompagne bien. C'est pas la peine que ma fille travaille l'école encore. Pourquoi tu as dit ça? Mais gars, mon nom, ça fait là. Vous savez, mon cas, il vivait en VOG. Et puis, mon cas, il voyait Zoro. Mon cas, il voyait tout casser, ma gueule, c'est pour faire ça. Et puis, il est né, mais qu'il a cassé cette nuit. Mais mon cas, pourquoi nous, mais ni longtemps, mon cas, connaît ça. Il a crié ça là, il débrouillardine. Mais maintenant, on a un nouveau phénomène, c'est le One Man Show. Oui. Alors là, avec ton regard, je ne vais pas dire de. Expérimenter, qu'est-ce que tu penses de la formule One Man Show? Faire plusieurs rôles avec un personnage. C'est une. Jean-Yves Boutin, ouais. C'est une très bonne chose. Mais il faut pouvoir le faire. Mais nous, c'était pas notre. Toi, tu n'aurais pas pu faire ça? Non. Nous, c'était pas tenir notre. Tenir 2 heures de spectacle? Non, c'était pas notre spécialité. Et Michel, notre spécialité, c'était monter ce qu'on appelait scénette à l'époque. Ouais. Sketch. Les sketchs construits. Ouais. Construits. Les sketchs que tout le monde connaît la définition, ce sont des pièces de théâtre très courtes. Des scènes de vie, ouais. Et il a honte, c'est ce qu'on dit, il a honte. Ouais. Mais par exemple, je me souviens, j'ai eu l'occasion de présenter un de vos spectacles. Il y a un sketch où il y a une histoire de karaté, etc. Ah oui. Donc le potentiel de chaque comédien, il l'exploite à travers le sketch. Oui, voilà. Par exemple, ces rôles-là, je ne pouvais pas les jouer. C'est Daniel seulement qui pouvait jouer ça. Et avec Charles Rémillon. Mais avant Charles Rémillon, on a eu d'autres comédiens qui ont joué ça avec nous. Et comme ils nous ont quittés. Ah bon, il a fallu les remplacer. L'a remplacé. Mais moi, bon, c'était pas mon truc. C'était pas mon style. Moi, j'ai pas, j'aurais pu le faire, mais c'était pas mon truc, ça. Donc, j'ai préféré laisser Charles le faire. Mais Charles le faisait très bien. Il a fait bien. Ouais, mais Charles, je te dis. L'avantage, c'est qu'il est polyvalent. Par exemple, entre Charles et moi, s'il y a un rôle de femme à jouer, de vieille femme, c'est Charles. C'est Charles Vauvert, ouais. C'est pas moi. C'est discutable. Ouais. Je peux le faire, mais Charles le fait mieux que moi. J'ai toujours dit ça, il a un potentiel énorme, ce gars-là, qui a peut-être, il aurait pu aller encore plus loin. Encore plus loin. Alors, alors, tu ne m'as pas donné ton impression sur le One Man Show. On aurait dit que tu as beau t'en touche là, non? Non, je te dis que le One Man Show, c'est une spécificité. Oui, mais c'est une spécificité qui est intéressante parce que bon, il faut avoir l'art de le faire. Mais je ne me vois pas faisant ça. Jouer plusieurs personnages. Oui, jouer plusieurs personnages. Moi, je trouve ça fascinant. Oui, je te dis ça. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de monde qui le fait. Ah non. Un bonhomme comme mon père, tu peux mettre des choses. Le fait très bien, excellemment bien. Ouais. Ah bon, mais après lui, qui c'est qui fait ça encore? Il n'y en a pas beaucoup. Ouais, hein. C'est vrai, il y en a qui ont essayé de faire, mais bon. Ça passe pas. Quand tu regardes. Tu vois, Michel Sel, oui, enfin, c'est un autre comique. Hein, Michel, le comique français et le comique martiniquais, c'est deux choses différentes. Explique-toi, lâche, allez. Nous, c'est le gros populaire. Non, le comique, il y a quelque chose que le français va faire plus le français et moins nous. Mais nous avons des fois un comique qui est subtil. Je ne sais pas si tu l'as remarqué déjà. Par exemple, on va prendre un autre exemple. Il y a des émissions qui passent, et puis des fois, tu regardes ça, tu dis, mais il n'y a rien de comique dans ça. On va pas comparer les époques. On va pas comparer les époques. Je prends l'exemple. Je parle de comique. Je prends l'exemple de Caïman Fouché, par exemple. Oui. C'est une pièce, hein. C'est-à-dire que c'est construit, il y a des actes, hein, etc. Oui, il y a des actes. Est-ce que vous étiez déjà à ce niveau-là? Dans les Frères Galli? Il y a des pièces, carrément, quoi. On a monté une pièce avec, comment il s'appelle, hein?
On avait monté une pièce avec Mr. Love. Mr. Love, ouais, ouais, ouais. On avait monté une pièce avec, je sais pas quel autre. Structuré, avec des actes et tout. Avec des, oui, oui. Avec une trame, quoi. Oui, avec une trame. Ouais. C'était, on avait appelé ça le retour au pays natal. Ah. C'était l'enfant qui revenait, qui est parti en France, qui revenait dans son pays. Prodige. Et puis les parents lui retraçaient le passé en musique, en ceci, en cela. Et puis en quelque sorte, tu me racontais ta génération. Oui, oui. Et quelques nez modernes d'après. Oui, et puis là, on faisait venir des musiciens. Mm-hmm. Par exemple, quand on parlait de la danse, on avait retracé toutes les époques de danse. Mm-hmm. Toubélé, comment on appelle ces choses-là. Par le danse. Ben là, t'es gars, c'est Spongebob, en tout cas. C'était caché à Pingouin. Pingouin. Ouais. Il y a tout ça, on a retracé tout ça en machin. Et c'était vraiment comique, ça. Ouais. Dernièrement, on y pensait encore. Moi je s'en sais bien, moi c'est d'eau bonne, moi pas trouvé d'eau bonne, moi trouvé belle femme, moi fait conduire bonne. Ouais, moi, petit frise. Qui ça si con? Non, car ou bien Dieu. Et puis ou quoi crier moi si con, moi ça lâche d'eau, pas crier moi si con. Mais pour qui yon? Et moi n'y en non, crier moi Gilbert, con tout le monde qui arrive. Qui m'a foutu. Mandou, ou bien Dieu, où son gelinge là pour laver là? Essayez de mettre le corbeau à la porte là pour pas en aimer trop bien parce que mon café en lecture là et m'en fatigué. Mais oui, mais mon cher, moi je ne sais pas que je vous coule, mon cher, parce que l'autre affaire est ça, tu peux me laver les gilets lundi, je ne peux pas payer ça, je ne peux aller à son vieux ou moi, je ne peux pas lâcher. Eh bien, on ne peut pas rester là, on est dimanche fait. Qu'on va parler là, au titien maille là, vous m'envoyez l'école depuis bon matin. Mais mon cher, tu m'as mal allé en ville faire une photocopie, acheter des biscuits. Tout ça temps pour acheter un biscuit et bien. Bon. Yo déplacé Joséphine. Ah ah. Yo déplacé. Mais c'est lui qui a venu. C'est le bagay qui a arrêté pour yo de bonsoir, maman. Ah, mais bon, ça, je me mets une directeur, c'est moi. Ah, comment tu vas, Doudou? Ça va, maman? Ça va, Doudou, mais tu vois, toujours te laver. Mais tu vois qu'on a de bagay là. Mais fais pas acheter une machine à laver pour toi. Mais mon chien, nous, quand il dit ça, t'allais. Ah, je suis d'accord, hein, moi. Tant ou ka ou ka bay conseil ti ma fille ou ka rentre en kay moyen alors ou pa ka di papa bonsoir alors ah je t'ai pas vu papa bonsoir mon pas besoin bon encore eh c'est quoi ça qui arrive pour tout ka bouscule ti maman la conso quand il fait honte ti maman la ka venir parler ba maman c'est lui qui l'a dou voyer avant et puis après il a parlé ba ou alors conseil a si maintenant par la porte là. Et puis les mains, ils servent mon chemin alors. Mais papa, je t'aurais vu. Mais eh bien, on te dit que calotte m'a avant moi. Mais non, tu m'as mal à rentrer quand il est en chantant. Ou quoi bousculer? Ton nom du chauveur. Mais tu frises, qui ça il t'a chanté? Hein? Qui ça il t'a chanté? Ah, tu chantes douce, mon cher. Mais oui, ça t'a l'air, ça sent bagaille pour un jouer, rentrer, puis chanter. Allez, courant, là alors. Mais papa, je vais pas chanter ça quand même. Mais vous pouvez pas chanter ça? Ah, tiens, va. Mais, et puis tiens, ben, là, j'en dis à ma carte en tout point, nous, tu frises. Ou que vini, et puis tout matériel, là, pour m'en faire réciter tout ça, au fait, j'en dis. Mais non, c'est pas tu frises qui, non. C'est tu frises, c'est moi, ou c'est Siko, puis lui, c'est Adil Paris. Et ça, comment les macaques? C'est petit, tu frises, puisque c'est soutiré ou qu'a soutiré. Bon, pas qu'à soutirer, qu'est-ce que mon nom est? C'est petit maman et mon petit docteur, moi, comme moi-même, elle m'a tout dit, moi. Bon, pour le moment, Tifi, et Tifri, vous-même là. Qui ça, Siko? Pas crier, moi, qu'on s'attend à des prêles. Mais mon chat, c'est non, et qui ça? Qui m'a dit, moi, qu'il y a? La rentrée de l'école, hein, où t'es là, et puis moi, là, nous allons acheter tout ça qu'il faut, bah, tiens, moi, là. Un sac transparent, un tout transparent pour tout le monde, ouais, il n'y a tout ça qui faut y aller à l'école. Mais oui, mon cher. Alors, et j'en dis, jour, gars, ça est qu'à venir, puis un caillon en main. Mais tu m'as mal à étudier, t'as tellement ça changé, mon cher, tu m'as mal à la mode. Bon, mon pas d'accord, et puis la mode t'as là. De toute façon, portez cahier avant moi, et puis vous que réciter tout ça qui en l'air. Mais papa, j'ai besoin de mon cahier pour apprendre ma leçon. Mandou Bamrey. Eh bien, obéis papa. Maman. Mais mon cher, tu m'as fait pas de bousculer quoi. Mais si elles ont eu pas ces bons cailles, ils sont faits pour des. Alors, va qu'on est barré là. Eh bien, tiens, papa. Mais mon cahier, tu payes. Mon cahier, tu observes. Dis ça l'autre, hein. Dis ça l'autre. Hein. Mon étang, je dis. Tu frises, mais gardez ça. Gardez Kaya. Mais. Tu frises, mais si on va venir garder où ça vous passe à lui. Tu frises. Chico,
Mando pas crier même comme ça. Hein? Les mon connaître anglais genre des jours. Ah, c'est des bêtises, non? Mais mon cadeau ça, il dit mais c'est en lisant anglais. Non, c'est anglais papa. Et comment il est arrivé traduit? Écoutez ça, t'excuse. Ma chère doudou cocotte. Papa, c'est la traduction. Ah bon, actuellement c'est la traduction. Mais oui, traduction photocopie, tu m'en mailles là. Mais ça, on est de la petite maman là qu'on chante. On a dit ça. Mais ouais, sous-tiré, hein. C'est plus ta plus triste. Le ouais, pied en gros joue comme ça, ou à crier, moi. Il pas qu'à y faire. Hein? Ou t'en demande où on parle bas. Écoutez ça, moi. Écoutez anglais. Hein? La première fois je te rencontrai dans la rue qui grondit près de chez toi. Mon cœur fait bidim boum comme un bec avalé un grain de mango sec. Alors petit mais c'est anglais, mais quand il lit comme ça, un bout comme qui fait jusqu'au coup préparatoire trois par filon. Mais papa, c'est la traduction d'une lettre. Mais qui moun qui bat l'état, hein, tu m'as fille? La maîtresse. La maîtresse qui bat l'état. Alors, ça sent maîtresse pour nous alors. Écoutez ça, oui, tu fils. Écoutez bien ouvert les oreilles. Quand je t'ai vu, j'ai senti, je deviens fou et constipé à la fois. Alors, petit moi, ça c'est un bel anglais encore, moi. Hein? Mais ça, on y a compris le bagage de maman là. Tu maman là, d'où c'est maîtresse là qui va ça? Ou derrière? C'est tout qu'on est anglais. Ou même tout qu'on est anglais. Mais c'est justement ça, m'a pas arrivé, comprendre? Gars anglais, mon cali. Écoutez ça. Je sais sentir, je sautais sur toi comme un mabriard sur le sol. Comme un zandoli sur un fétail de caille. Mais on parle pas de licence, c'est ce qu'il y a alors. Il n'y a pas de zandoli, il n'y a pas de fétail. C'est un zandoli. Et caille et puis zandoli, ça c'est une licence, d'après moi. C'est une licence, science naturelle. Mon cabal, il y a un zandoli derrière vous. Ah non, vous pas caille, mais je dis, vous pas caille, mais. Ah bon, je ne suis pas responsable de tous les deux dans l'œil. Je vais continuer à lire puisque je voudrais m'arriver juste la toupe et l'être là qui arrive. Eh bien, je passe à même ça, mon Dieu Seigneur. Quand tu es en shot, tu as les tuisses de Lolo Brigida. Eh bien, belle. Et tu es un petit bouga qui a pris ça, sacré bag. Mais on ne peut pas sentir que c'est peut-être c'est un petit lettre qui m'a mal à réussir. Et vous-même, là, vous allez connaître. Mais qui ça vous dit à présent? Qui ça vous dit moi? Ti frisou jamais connaître mon cadeau l'obétiste là. Même mon cadeau de ti moment qu'a recherché mon cadeau comme ça je se senti je te beau tout partout. Enfin mon père c'est pas seulement. Ça non plus pas dit moi ça non plus. Attends maman le vêtu salon qui croit moi puis je. Bon. Fais des saoulé. Ou né puis langou. Mon ca continuer. Je suis un homme mariable. Eh ben il dit, mais c'est la maîtresse. Mais oui, monsieur, il y a mat. Varie, bidou, là, il y a varie. Quand on me fait, il y a maman, il a comme ça. Ton nom dit, ça va. Mais on sait pas faire, mais tu peux en bas, néo, là, pour moi-même parler. Un petit frise. Ton nom dit, ça. Eh bien, regardez ça, bon Dieu, Saint. J'en ai un lot de choses qui te pourraient te faire content. Un maman de poule jingue, un coq madé, un maman cochon avec 12 pitons, un cheval que j'appelle Eliette, un grand lit, mais il y a un jet de pinaise dedans. Ah bon? Mais oui, c'est pas la maîtresse qui t'a donné ça, ma doudouille. Oui, maman. Et alors? Mais oui, on ne parle pas français, bye. Mais pas en cas de même pas parler français, le roval, ça voulait même pas parler français, c'est m'en fâché. Ah, mon chopé fâché, je dis, me parle pas, moi, qu'il faut observer. Mais oui. Mais ouais, je vais continuer puisque mon niveau vous arrive. Je vais te attendre derrière la case de M. Sonson demain à 5h. Actuellement, je vais la manger. Eh bien, Titi, pour ça, a rien pas pour arriver. Demain, vous pouvez aller à l'école. Mais papa, j'ai une hétéro d'histoire. Tu frises, tu m'énerves. Tu vas pas à l'école demain. Papa. Qui va à l'école demain? Oui, maman. Comment? Il y a un écho par ici. C'est pas pièce l'écho. Tu te frises. Tico. Laisse-moi te dire un petit machin. Hein? Tu vas descendre ton échelle pour moi parce que tu l'es monté trop haut. Fais attention, je t'envoie pas la grand-messe ni pied.
prends un petit peu de dimension avec moi. Comment ça, vous avez fait la message, vous avez la message, vous avez tu veux me faire parler français sur toi? Mais oui, moi, ça, tout ce jour-là, où le bon, je m'en parle français. Moi-même, ça parle aussi. Tu m'en mailles, ou pas caler l'école des mains? Ou caler l'école des mains, tu m'en mailles? Ou pas caler l'école des mains? Ou caler? Ou pas camadou? Si, tu vas. J'ai dit, tu vas pas foutre l'école des mains. Si, tu vas, tu foutes va. Quelles sont ces ma foutes? Tu vas pas l'école des mains. Moi, tu m'en mailles, tu m'en mailles. Qui t'en y qui fini cinéma là pour moi-même commencer sikman ici, voulez-vous? Bon, alors, j'ai fini, hein? Je vais vous donner une dernière phrase, ma fille. Demain, ou pas qu'à aller l'école demain. Demain, ou qu'à aller l'école? Comment? On y tempérament, vous dites, ou pas qu'à aller l'école demain. Tu fais ou qu'à aller l'école? Ton auto, tiens, bah, comment t'es mis là? Est-ce que tu penses qu'actuellement le comique ça marche aux Antilles, à part les one man show, parce que je vois qu'il y a plusieurs tentatives lors des fêtes patronales, tout ça, mais des fois c'est pas tellement. C'est mon enfant, c'est le one déguisé en femme ou quoi, femme les gens ne rient plus comme ça. Ça peut marcher, mais il faut travailler ça. C'est-à-dire... Si tu travailles par le comique, tu tombes dans le trivial. Voilà. Tu tombes dans l'au-dessous de la ceinture. C'est dangereux. Ça. Ouais. C'est très dangereux. C'est toujours bon, la femme qui trompe son mari, le mari qui trompe sa femme, le monsieur qui boit, des choses comme ça. Bon, il faut éviter ça. Je te signale que même dans le comique français, ça existe toujours. Hein, oui, ça existe toujours, mais je te dis que bon, nous, les Frogali... Un gars comme Coluche, par exemple, il y avait un peu trivial le danser. Hein. Oui, je ne te dis pas non, mais... Nous, les Frogali, bon, on n'a pas tellement mis dans nos scènes, on n'a pas tellement mis ni de politique. Il n'y avait pas de juron, par exemple, non? Non, il n'y a pas de juron, des choses comme ça. Pourquoi? Puisque faut pas oublier que l'origine des Frogali, c'était les colonies de vacances. Il y avait des enfants, c'est un peu des enfants. Et quand tu me demandes l'origine du groupe des Frogali, c'est les colonies de vacances. Quand tu joues des enfants, Michel. Te limiter. Tu amuses les enfants, les parents sont là, quoi, les parents car puisque c'est Thierry là. Donc nous dit bon, nous que faire des bagailles, machin. Et puis on a été relayé par Guy Métali. Faut pas oublier de le dire non plus. Quand il y avait des animations de Noël, il nous appelait, lui s'occupait de la partie, lui s'occupait de la partie chansons de Noël, des choses comme ça. Et puis nous occupions de la partie amusement des enfants, etc., etc. Et c'est comme ça que sont partis les Frogali. Dada, ni un bagay qui belle. Actuellement, papa, bagay qui convenable pour la VO. Mais oui, mais si, mani l'idée que si maman est là, pas qu'à donne ça là-bas. Mais nous savons ça très bien, puisque Dada, la radio, c'est. Ça y est, c'est disco. Le rock and le wall. Le rock and le wall. Jazz. Pop. Popcorn. Il dit ça, tiens, mais la dit aussi. Taïdia! Listen, kill. Et puis, il dit, musique là, il y a joué tous les jours, la radio, la cette chaîne, genre, quand elle l'autre, là, la logette, macaque, là, elle est là, vous savez? Ah, moi, ça, le smell. Mais, j'en dis, là, moi, j'ai appris, le folklore. Mais tu es dans la bonne direction, tata. Ah, bon. Eh ben, Madeline, j'ai chanté. Voulez-vous danser pour mes voeux? Voulez-vous danser, grand-mère? Arrêtez-moi, belle, là, Zaza. Mais, Zaza, pourquoi prendre la peine de chanter un bagaille, bâtir, mais là, pourquoi chanter un bagaille qui est vieille, nous? Ça, quand nous, bab blanc, si des blancs. Chanter un bagaille qui plie moderne, bâtir, mais là, qui plie dans les vents. Mais, qu'est-ce que ça, vous voulez, moi,
t'es encore. Mais ça, mais c'est pas moi qui pourrais prendre ces bagailles là. Puisque vous savez très bien qu'il dit, moi descends Saint-Pierre. Il dit, ami Wowo. Ou ni, bah, moi aussi beau. Ou ni aussi, panique au doudou moi. Ça, c'est des bagailles anciens temps qui bon pour t'y la connaître. Ah, bagaille, avant j'ai dit oui. On fait oui. Oui, pour Léa. Mais chantez ma tiamaï là. Bon, eh ben, j'ai commencé. Bah, moi, un petit bon, deux petits bons, trois petits bons, doudou. Bah, moi, un petit bon, deux petits bons, trois petits bons, doudou. Bah, moi, un petit bon. Ça suffit. Mais, Zaza, mais dix là, rien pour moi. Ou pas qu'à sortir pour que tout n'est dix là, ma tiamaï là. Ah, peut-être gorge ou gros rire et tout. Et, ma tiamaï. Plongeons la cuisine là. Gardez, portez un petit gros bagrin, maman. Mais c'est exact. Mais ça va être pour vous, c'est quoi, je ah, bon, c'est bon, mais, wap. Bon, mais, il va connaître ça. Un wap, c'est un visiteur ou un petit ou dans un coupé de miel avec du rhum dedans. Ah, le wap, c'est tout. Ah non, mais laissez-le chanter encore. Ou qu'est-ce qu'il y a fait, ou dire? Mais oui, mais ils ont pas d'aide, moi aussi. Mais qu'est-ce que ça va pas qu'à aider? Madeline, sachez que lorsque vous étiez plus petite, vous étiez en poste, ma grand-maman, il était qu'à aller concours chant créole et la fête patronale. Ah bon, c'est ça? Ah oui, maman, c'est quoi, non? Pas garder ça là, non? Et il était qu'à monter en les. Qui m'en est qu'à dire ça? Les crottes! Les crottes, mais il y a qu'à dire ça. Oui, ça c'est ça pour dire, mais nous avons fait ça. Let's go. Il était qu'à monter, il était qu'à prendre le premier prix. Vous savez ça? Oui, ça va. Mais moi, je ne suis pas gardé là comme ça. Je ne suis pas gardé là comme ça. Je ne suis pas accompagné à la batterie. Ouais. Ah oui? Bon, mais, eh bien, donc, est-ce que tu vas m'accompagner? Eh bien, go-le. Bon. Eh bien, mon café, moi, quand je suis là, 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 allez, go! Silence maintenant! Alors, Zaza, est-ce que vous comprenez que ça va tout pour vous sentir bâtir, Maïla? Mais Gata, ou bien gentil, mais il y a qui gentil, c'est que quand vous mettez la musique, la retraite aussi, la chanson, et puis mettez quand la retraite aussi. Et, Mathéline, dis-moi, puis grand-papa, ouais, nous quand les gars d'un vieux combat là, c'est nous quand trouver des vieux disques pour coûter, hein. Et mais alors, ça va la sortir, alors quoi qu'on peut dire le cochon du caractère de la paix, mais ton nom dit quoi va? Est-ce que tu as déjà fait de la politique, toi? Oui, j'ai fait de la politique. C'est-à-dire que tu t'es engagé ou dans la liste? Non, j'étais sur une liste avec... Tu l'as fait conférence, nous pas, non, oui. Pas obligé de nommer nos oui. Non, ouais. J'ai pas nommé les gens. C'est tard, ouais. Mais j'ai fait de la politique. J'étais sur une liste à Ducos. Est-ce que ça vous est arrivé de tourner en dérision des politiques? Non. Pendant vos sketchs? Non. Tu n'as pas pris ce risque-là? Non, je ne voulais pas attaquer ni religion, ni politique. Parce que, Michel, quand tu attaques des politiciens, tu te mets dos à dos une tranche de la population. Quand tu attaques la religion, tu te mets dos à dos une tranche de la population. Faut pas faire ça. Donc, à la limite... Et les gens qui font ça s'engagent. C'est un risque qu'ils prennent. À la limite, même Roger Galli, justement, il y avait des garde-fous pour vous. Oui, il y avait des garde-fous. Ni du trivial, des choses à la portée des enfants, pas de politique, pas de religion, pas de sexe. Ouais. Mon gars qu'on est marié, vous pensez pas être... Non, pas tenu ces gens de... Donc, en même temps, ils ont tenu en respect de certaines valeurs. Oui, vous êtes des enseignants, n'oubliez pas. Hein. Oui, et il y a ça aussi qui nous freinait. Qui vous limitait. Parce que tu ne peux pas aller faire une dérision, là, des choses qui ne sont pas, qui font pas appel à la morale. Et puis demain matin, tu dois faire des leçons de morale aux enfants pour dire, mais vous devez pas faire ça, vous devez pas faire ça, vous devez pas faire ça. Mais justement. Et il y a même des sketchs qui nous mettaient à réfléchir. Parce qu'on avait des scènes qui sortaient un peu de l'ordinaire.
Alors nous quand vous dites une page là des frères Gali, alors là regardez par exemple le comique et comment ils ont été faire veut faire mon rire et puis c'est qu'al des sketch débile aux autres là. Parlez pas moi franchement mon capoto. Michel, ben là c'est une histoire qui remonte à très très loin. Je ne peux pas ne pas faire cette impasse. Colonie vacances. Oui. Nous allons faire stage moniteur colonie et puis nous tous les deux nous te moniteur colonie. Et c'est comme ça bagaille la patine de l'habitude de faire des comédies bah les enfants. Si tu amuses les enfants, Michel, tu amuses les bonnes personnes. Ouais, ouais, ouais. On a amusé les enfants et puis on a amusé les bonnes personnes parce que ça intéressait les bonnes personnes. Jusqu'au moment où dans les années 74-75, on a rencontré mon ami Guy Metali qui nous appelait pour les animations d'Orbe de Noël. Et puis c'est comme ça, bagarre la partie, nous commençons. Alors, moi, n'importe quoi, Guy Metali, c'était un comique aussi, parce que c'est l'équipe qui est. Non! Donc, comique, comique. Metali, Guy, c'était un chanteur. Un chansonnier. Un chansonnier. Ben, c'était un comique aussi. Eh ben, justement, c'est là, ouais, il était capable de faire la fête des limons à travers les textes. À côté de nous, il tenait les jeunes Manuel Saint-Oise aussi. Il était qu'à jouer. Il était qu'à jouer, et puis nous, Guy Metali, Manuel Saint-Oise, les frères Gali, et puis ça partit comme ça, Michel. Alors, nous avons des exemples de sketch peut-être, où il y a des gens qui ont tourné carrément des scènes de société, qui ont tourné ça à la fête. Alors là, nous avons regardé par exemple, un monde qui a consulté un médecin, ma question, ils ont été faits à. Kay Dantislam. Oui. Alors, en gros, qui m'a dit que tu as fait Dantisla, mon nom a venu en Dantisla. Mais c'est mon nom a venu en Dantisla. Ou ça, jusqu'à présent, et Michel, il y a des gens qui ont peur du dentiste. Ils ont peur du dentiste. Ils ont peur lâcher dents. Ils ont peur lâcher dents. Ouais. Et le regard à présent, dentiste a fait toute manière pour ne pas faire mal. Il a anesthésié, il a anesthésié, il a fait toute qualité de bagaille. Pas qu'à souffrir. Mais à l'époque, ce n'était pas ça. Mon était peur dentiste. Et bien, nous dit, ça va nous en l'idée, nous dit, nous qu'on fait ça. Et c'est les coulisses là qui sont belles. Ouais, ouais. Là où dans la salle et dentiste, dans, je crois, comment on va dire ça, cabinet. Cabinet dentiste, pas cabinet pour aller faire cabinet, hein. Le cabinet dentiste là. Et puis, comment c'est crié, dentiste, ça va nous payer la pour qui ça, parce que tu es fou, effectivement. Ouais. Ça va être fou, c'est mon nom qui est dans la salle d'attente là. Et ça, j'ai fait. Ni moun ki an sal datan tan la gatan gatan tou li, epi le ton moun nan ki ta avoyen la gakouye an mwe. Ou savi ki a pati? Alors, ou pati ki a pati ki, monsieur? Non, monsieur a de gachapé. Entrez donc, monsieur. Oui, je sais que vous souffrez, mais le dentiste n'est pas encore arrivé. Asseyez-vous. Tonton, c'est un bonjour. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, c'est moi énervé, mais c'est dans la femme ou mal. Je vous comprends, monsieur, mais asseyez-vous, attendez un instant. Attends, je suis beaucoup pressé. Je n'ai pas souffert. Eh bien, moi, c'est toute la nuit là, m'en souffert, mon Dieu. Je n'ai pas dormi. Dendez-moi, zip pas là. Mais c'est ça, bon, petit madame, et où est-ce dentiste là? Le dentiste n'est pas encore arrivé. Ah bon, mais c'est pas parce que mon pressé, c'est parce que mon les ouais, tête libre, fausse, timonier. Mais vous allez le voir, attendez un instant. Attends, pas pressé. Bonjour mademoiselle Dantinette. Voilà. Bonjour docteur. Alors, il n'y a que deux malades, hein? Oui, mais... Deux clients. En urgence, hein, là. Bien, alors, vous allez me les envoyer tout de suite. Bien, docteur. Eh bien, regardez... Dentiste là qui passe là? Mais oui, c'est un dentiste. Boucher là qui passe là, c'est un dentiste. Mais c'est pas un boucher, vous savez bien que quelquefois l'apparence est trompeuse. Ouais, mais écoute, il n'a pas trompé moi parce que l'aussi a été né à l'homme auto à Pesta, ça n'a pas un dentiste qu'il a. De toute façon, je ne suis pas pressé encore, mon cas est tout comme moi là. Et puis, ou avant moi, qu'on va passer votre côté. Le premier. C'est à vous, monsieur. Hein? C'est où? N'ayez pas peur, ça passe vite là, allez-y. Pas peur, allez. Où est-il là? Avancez. Eh bien, tu madame. Oui. Pardon, il y a des motos là-bas. Vous ne pouvez pas lâcher ta main par ici, hein? Mais non, monsieur, je ne peux pas. Poutine. Ou pas ni diplôme? Mais non, je n'ai pas de diplôme. Ou pas ni 9 plombs, non plus? Tiens. Vous avez plus 4 ou 5, mon préféré, c'est où qui fait ma main?
Parce que à ce moment-là, il a passé là, pas moins. Eh bien, tu m'as donné. Ça vrai, hein? Nous avons envoyé passer là, nous n'avons pas envie d'aller encore. Pas ni d'autres nous après moi. Mais vous êtes le dernier, monsieur. Le dernier? Ah, mon père, mais ça a été dernier, ça a donné, ça a trop pris premier. Si les gens qui sont venus, faites-vous passer parce qu'ils n'ont pas pressé. Parce que là où vous pressez, vous ne pouvez pas glisser, vous ne pouvez pas monter. Qui c'est la faute? Dis-moi vite. Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Eh bien, tu es un mec à souffrir. Je suis mon petit copain, c'est moi. Eh, tu m'as donné un bon petit bagage. Le docteur est là, il peut dire. En l'autre jour, parce que dents, il n'a pas fait mon mal encore. Moi, tu comprends, c'était dents qui a fait mon mal, et bien, on dit comme ça, dents, pas qu'à faire mon mal sans cocher maman, fait hier soir. Moi, il veut diable dents, comme ça, qu'à souper. Dis-donc, c'est à ça, bon, moi, on a mis d'autres bails, moi, fait. Eh bien, vous allez raconter votre petite histoire au docteur, hein? Moi, mais puis, pour ça, là, non, on n'a pas de histoire, ni, pas qu'à y aller, puis, c'est dit comme ça. Mon pressé, sans l'autre jour, les dents, il fait mal. Mon revenu, oui. Le suivant. Ah, c'est vous. Hein? Vous allez le lui raconter. Venez. Mais profitez pour dire ça. Oui, tiens. Restez là, monsieur. J'ai dit. Où allez-vous? Allez, asseyez-vous là. Docteur, ne bougez pas. Justement, docteur, maintenant, vous avez dit un bagage. Allez, prenez-moi la serine là, s'il vous plaît. Ah non, 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 pas ça. Attendez, ne pas faire mon mal encore. Attendez, non. Mais vous savez, Allez, prenez-moi la peste maintenant. Mais vous essayez. Non, allez, on veut la personne. Aïe, tellement j'ai ouvert, mais attends, fais pas ça, mon boudou. Mon panier, mon pays. Non, c'est pas là. Mais ça va, Faut que je prenne mon manteau là. Mon Dieu, c'est là. Aïe, c'est pas vrai. Docteur, mon panier, mon pays, mon docteur. Docteur, pas faire ça, docteur. Mon Dieu, heureusement c'est le dernier temps. Eh bien, mon Dieu. Mais regardez votre dent comme elle est belle. Écoutez. Mon Dieu. Il s'est évanoui. Le client suivant. Alors là, il y a un bagage qui m'a demandé réalisatrice nous. Bah, un plan justement en pochette, Bix nous a regardé. Deuxième là. Alors, le rire antillais, Maurice Alcindor, les frères Gali. Et puis Tiboubou. Alors là, nous avons vraiment trois majors en bas de là. Maurice Alcindor, tout le monde, Maurice dans le Télétat, à l'Ezouk TV, tout le monde sait ça. Oui, nous savons ça. Comment on est quoi? Qui regarde quoi? Dans l'émission, c'est un chansonnier. Est-ce que c'est un comique? En bas, il nous fait mourir ou bien c'est? Maurice, c'est un comique, puisque Maurice, ben, nous, en l'idée sketch, oui. Que nous mettait à sous deuxième dit que cela nous fait, à l'époque de Carquise à Vinyl. Ouais. L'homme germain, c'est Maurice Alcindor qui ben, nous l'idée là. Et puis nous mettons là en scène. Ouais. L'homme germain, c'est qui ça? C'est un bout de la main, mon monde. Et puis papa en mi-temps. Ouais. Et ben, nous l'idée là, et puis nous mettons bagaille là en œuvre. Et ça marchait. Qui est-ce que tu as fait? C'est papa. C'est papa. Alors, et c'est moi qui ai demandé. Comment tu as répondu? Papa, il est. L'homme. Et puis Daniel, tu as dit l'homme. Et puis tout ça qui déaye. Ouais. C'est pas l'homme, mais c'est l'homme. C'est pas l'homme. Vous avez demandé l'homme. Ou le plus qu'il l'homme. Plus qu'il l'homme. Et puis maman dit mais c'est pas l'homme, mais t'as un bon l'homme. Il dit c'est pas l'homme, mais papa, il est. Monsieur Gali, s'il vous plaît. Ça, c'est un travail. Mon lasse, mon abouzon aille dormir.
Je suis entré dans la caille, je suis trouvé. Tiens, mais là, et puis deux pattes liées dans les chaises là. Tiens, mais il faut tes pattes à tes moi. Mais qu'est-ce que ça fait, hein, papa? Il a dit, moi, qu'est-ce que ça fait? Mais c'est pas en position pour nous dans la caille. Bon, bon, je mets mes pieds par terre. Et puis, dis-moi, est-ce que vous avez balayé la caille là? Vous savez, c'est là que je viens de moi, c'est là que je viens de moi, c'est là que je viens de moi. Mais j'ai le temps, papa. Il a dit, moi, il n'y a le temps. Alors si on vient ouais moi quand on traite dans caille et puis caille la salle. Mais qui a dit à la personne de venir? Ou pas ni ça pour dire. Mais papa, au lieu de regarder la maison, regarde ton pantalon qui est de travers. Qui m'en est pas bon? Regarde ça, Tifi. C'est moi qui capote, c'est moi qui savent, c'est bon. Toto, toto, toto. Mais c'est ça mon cadeau là. Où est mon zaka vini? Toto, toto. Eh, ça qui là? Eh bien, c'est moi, Monsieur Albert. Je ne connais pas tout. Mais oui, mais moi, je connais tout. Moi, je ne connais pas tout. Mais je connais tout, M. Hector. Moi, c'est voisin. Tous les bons matins, on a passé. Je dis bonjour, M. Hector. Bonjour, Germaine. Bonjour, bonjour. Monsieur, qui ça vous Eh bien, M. Hector, je viens parler bon. Et puis, je viens pour m'en parler. Eh bien, dis-moi ça, on est pour dire. Mais excusez-moi, mais je ne peux pas parler dans la porte. Moi ça m'a l'élisé. Eh bien, entrez si vous plaît devant. Ouais, merci. Mais ma carte vous entrez, mais maison vous entrez en salon. Hein? Bon, bon. Tu l'es dans moi. Eh bien, M. Hector. Ma carte vous pas fâché. Bon, pas fâché, mais ma carte tu l'es dans moi ou vous êtes trop loin. Non, c'est pas faute, c'est parce que moi je viens de m'en dos, en bagaille, tu as quelque chose à m'en dos, ou pas qu'à jamais prendre son mandé. Qu'est-ce que ça, un sac de Mais non, c'est pas tout à fait m'en parler en sac charbon. Et tu t'as plus belle, plus goût que sac charbon. Eh bien, dis-moi qui ça voulait. Eh bien, c'est un bagaille. Et tu as demandé maman. Mais là où est maman pas là, ou obligé de demander papa. Qui dit qui fait? Monsieur Hector, je m'en demande au lit. Eh bien, dis-moi c'est qui ça? Eh bien, oui, oui, oui. Et j'ai même dit. Oui, dis. Et monsieur Hector, m'en vini pour mon mando, ponyette, non pas ponyette, l'emmen tifioua germain. L'emmen? Mais ça qui derrière aussi, monsieur Hector. Qui ça on dit là? Mais c'est ça mon ka dit, hein? Mais c'est moi qui dois dire bagay. N'y a l'autre qui vient bien con, quand on est venu à la porte moun, pour m'en dire l'emmen ici là. Et puis le plus souvent, c'est l'homme papa qui a eu souvent. Mais c'est vraiment pas moi de goût l'homme comme ça, monsieur Hector. C'est l'homme qui douce, tout va finir, maman. Alors, faites attention. Hein? Et puis, ça, c'est un bagaille qui est délicat. Vous savez ça? Oui, moi, je sais ça. Est-ce qu'on a diplôme? Ah oui, je porte mes sacs de diplôme là. Où veille, moi, oui. Mais non, je ne peux pas ouvrir si je ouvre et puis un diplôme m'échappe. Je peux rester en pile, hein? Eh bien, d'accord. Où allez en France? Si moi j'allais en France, moi j'avais tout ça qui est en France. Moi j'avais la cathédrale de Montmartre, oui. Les Champs-Élysées, la Tour Filelle et oui. Fiel. Et toutes ces bêtes à moi j'avais ça à la télévision. Eh bien, bon, eh bien, regardez. Entrez. Ah, mon. Et puis, assis, pas d'attendre. Mon cas, c'est ou homme pour nous passer pour un antifé, pas d'un, nous qu'à causer. Oui, mais oui. De moi, viens, viens. Oui, ah. Germaine. Et tiens, mais et tu mets une bouteille ou homme et puis c'est vert. Germaine. Quoi? Tu as vu, hein? Tu m'as dit, dis ça, menti, mais quoi, je m'en dis. Et puis, quand on sera marié, tu oui. Sais, on va acheter une maison avec une grande véranda. Avec un gros jardin aussi autour. Ah oui. Et puis quand les enfants seront grands, on va leur acheter des autos mobiles. Je ne peux pas trouver ça, je ne peux pas trouver ça. Et tu mets tout bagaille, moi. Je ne peux pas trouver la vaisselle, moi. C'est ça, monsieur, regardez là. Monsieur, c'est pour qu'on s'appuie tout bonnement. Vous avez souvent le bois, je levé, je dois levé, oui. Et puis courir, et puis assis ici à la roham, et puis moi, quand je suis en mi-temps, toujours. Ou tout au sommet,
Ça, on te comprend. Mais mon pâté, ça, mon secteur. Eh bien, la prochaine fois, ou pour ça. Bon, tu vois ça, à cette bonne là, bon. Oui. Est-ce ou ni diplôme? Mais Mandou, toutes ces dislans, ça, là. Ah, ouais, mais t'es oublié ça. Est-ce ou qu'à travailler? Mais c'est ça, mais le Mandou, là. Ah, bon, mais mon qu'à travailler comme tout le monde qu'à travailler, hein. Mon qu'à travailler, grand jour qui la nuit, hein, plutôt la nuit, hein, mon entrepreneur. Ah, ou entrepreneur? Oui, c'est pour ti m'en tout pan m'en de ou l'an men, j'ai ou men. Ou ka yte sauvi ban men. Mou pou ko kozi. Mou sou koza. Koumye la zon, ou ka tou se sak mwa a. Me, mi sekto se su l'on van la tche pou l'panche, hein. Paske manyan, an lo kompanyi moun ka travay ban men, le bankye, se komersan, se douanye a, tout se moun ta, se fonksyonay, ou ka travay ban men. Lè la fin di m'arrivé, c'est si long là, hein, yo ni en poche yo, puisque comment doumen ka travaille et puis l'an même mwen, puis toi et puis l'an même douette là, mais c'est si long, ça a étrapé. Oui. Mais bon, ça m'a laissé, ça c'est combien l'argent ou ka gagne? Non, peut pas dou combien l'argent chaque mois m'a volé, m'a gagne, hein? Puisque c'est si long. Mais de toutes les façons, ou est 3 mois t'as qu'à suivre yon de l'autre, manque c'est vol et gwenyen. Qu'est-ce qu'on dit? Gwenyen. Ah bon? Ouais. Manque c'est gwenyen 300 000 francs. Dans 3 mois t'as amandou juillet, août et puis novembre. 300 000 francs, oui, mandou. Pour moi et puis je mène nous. Ah, pour tout seul, tous. Nous pouvons arriver juste là. Alors, ou dis-moi 300 000 francs. C'est ça, abordable. Ou ni te? Mais ouais, papa moi ni te. C'est comme si moi te ni te, puisque papa moi c'est nous-mêmes. Et puis papa moi dit moi comme ça. Si vous voulez travailler, puis vous mettez te, bon te moyen, tout te ta ce que t'en. Je dis, je m'en ai plus te que papa moi. Et c'est pas un bail qui est difficile pour faire. Hein? Mais... on y déclôturé, et puis virer et clôturer plus loin. Mm-hmm. Ouais. Ou ni bœuf en lait? Ah ouais? Mon mandou, papa m'a dit moi comme ça. Le oué imo, tout ça qui est à moi, c'est tant à moi la carrière imo. Et puis, en fin de mesure, tu as grandi. En toute manière, bœuf qui est entré. De temps en temps, les voisins qui viennent de nous, ils ont fait bœuf. Mais ça n'a pas d'affaire, nous, hein? Moi, quand dit ça, bon, regardez, ben, moi, quand il réfléchit ça, et puis, pas d'homme qui a réfléchi à la zone qui a causé à côté de moi. Nous, qui a causé? Ben oui, c'est ça, Madou. Qu'on s'en là ou en mi-temps? Eh ben, causé! Germaine. Quoi? Qui ça? Je sais pas où m'en parler. Excusez-moi. Germaine. Quoi? Je peux t'appeler Germinou. Et Germounouchou. Il fait beau. Ah oui. Mais il fait chaud. Eh bien, tu es mon éventail, vente-toi. Merci, Germinou. Et puisqu'il fait beau, allons dans le jardin. Ah oui. J'étais là comme ça, la bière est tombée tout à l'heure. Moi, disons que c'est tout le monde là, mais pas disons aller dans le jardin. Germaine. Quoi? Quand j'étais à l'école, j'étais fordan. Ah bon? Oui. Presque tous les jours, je m'attais bis. Allez, pas dire ça. Pourquoi m'attais bis l'école là? Le samedi, Gloria, oui, Germaine. Ah bon, parce que bon, vagabond? Bon, il qu'a coûté alors. Tu ne sais pas ça? Bon, Germaine. Quoi? À l'école, j'aimais chanter. Quelle chanson? Des chansons pour endormir les petits-enfants. Oui, allons chanter pour papa, il dort presque déjà. Eh bien, ouais, tu m'accompagnes. Oui. Père dodo, soleil, mon petit père. Père dodo, au carambété nous. Il dort. Jaminou, oui. Demande ton petit mais. Une seule. Ouais. Si bête, montez. Demain, t'es deux timets maintenant. Si bête, montez. Ça, qui arrive là? Alors, mais c'est
Alors c'est vous ça, on t'est venu. Vous partez vite, vous écoutez moi. Vous accordez moi. Papa, mais non. Vous accordez moi, papa. C'est pas contre moi. Ouais. Alors justement, nous regardons les bails là. Et puis, maintenant, il y a l'occasion ou un spectacle épisode. Et c'est là, moi, quand je suis arrivé vraiment à des, en déchaînement, ah oui. En affaire sketch, où je suis fini par un combat karaté entre Charles et puis Faula Daniel. Oui, Daniel. Alors, qui ça a développé à Dabaïta, là, dans le genre de sketch qu'on va voir? Eh bien, ça nous développé, c'est la type Audia. Et puis ensuite, à l'époque, ou quoi, ça, je suis fait bagaille. Bruce Lee, karaté, tu es dans le mode bagaille comme ça. Ouais. Bah, on a nous fait ralentir, nous. Mais c'est spécialiste bagaille là, c'était M. Rémillon, M. Charles et puis Daniel. Et puis bah, là, il a fini comme ça, mais mon temps aimait ça. Et il y a bagaille, ouais. Et nous, on ne nous parle pas, il faut nous repenser, ça c'était trop belle. Ah ouais. Il y a bagaille, par exemple, m'a observé dans ce sketch là, j'ai pris un principe cinéma, ralentir l'image. Ralentir l'image. Oh, alors, mon gars, ça a besoin de dire, mais est-ce qu'à l'époque, ça était quand même dans certains travails quand même? Retourner ses positions, etc., ralentir oui, l'image. Mais ralentir l'image, là, ça vous a plus facile avec la technique de actuellement, des caméras, oui. Des machins. Mais là, c'était vrai ralentir qu'il a. Donc, théâtralement? Théâtralement, c'était une impression de ralentir l'image, oui. Là, ouais. Mais c'était un bagage qui m'a dit ça. C'était du live qu'on a dit. C'est pas comme dans le posture physique. Oui, c'est pas pareil. Vous filmez, pourquoi ralentir l'image là, ça facile pour faire. Mm-hmm. Et puis les techniques d'aujourd'hui. Ouais. Mais là, c'était un vrai ralenti. Donc ça te demandait un certain entraînement, et monsieur Michel. Moi, je chante bien. Moi, c'est de bon. Moi, je trouve de bon. Moi, je trouve de bon. Moi, je fais contribuable. Ouais, une petite phrase. Qui ça, Siko? Non, quand on bien Dieu. Et puis, vous criez mon Siko, moi, je lâche d'eau, pas criez mon Siko. Mais pour qui, hein? Et maintenant, non. Criez mon Gilbert, contre tout le monde qui arrive. Qui m'a foutu. Mandou, ou bien Dieu, où sont les linges là pour laver là? Essayez de mettre le corbeau à la porte là pour pas en aimer trop, hein, parce que mon café en lecture là. Et m'en fatigué. Mais oui, mais mon cher, moi, tout qu'on ne pas dire pour ce que je dis, hein. Parce que l'eau, ça fait les chats, tu peux nous laver les gilets lundi, hein. Moi, pas qu'à y perdre ça, moi, quand elle est assouviée, je moi, quand elle commence à lâcher. Eh bien, on pas rester là, hein. On est du moins fait, hein. Qu'on va parler là. Au petit tiens, moi, là, m'a envoyé l'école depuis bon matin, hein. Mais mon cher, tu m'as là, mais aller en ville, faire une photocopie, acheter des biscuits. Tout ça temps pour acheter un biscuit bien. Bon. Yo déplacé Joséphine. Ah, ah. Yo déplacé. Mais c'est lui qui a venu. C'est le bagaille qui a arrêté pour yo. Bonsoir maman. Ah, mais bon ça, je me mets une directeur ce moyen. Comment tu vas, Doudou? Ça va maman? Ça va, Doudou, mais tu vois, toujours te laver. Mais tu vois qu'on a de bagaille là. Mais fais pas acheter une machine à laver pour toi. Mais mon chien, nous qu'a dit ça t'allait. Ah, je suis d'accord, hein, moi. Tant qu'on a un conseil, tu ma fille, ou qu'on rentre en caïmouille, alors ou pas qu'on dit papa, bonsoir alors. Ah, je t'ai pas vu papa, bonsoir. Mais pas besoin bon encore. Eh, c'est comme ça qu'arrive, pour tout qu'on bouge qu'il est, tu m'en bailles là, quand on fait un monde, tu m'en bailles là, qu'on vient parler, bah maman, c'est lui qui l'a devant avant, et puis après il a parlé bon. Alors conseil, si maintenant par la porte là, et puis les mains, ils servent mon chemin alors. Mais papa, je t'aurais vu. Mais eh bien, tu sais que calotte m'a avant moi. Mais non, tu m'as mal à rentrer quand il est chantant. Ou quoi bousculé? Ton nom du chauvin. Mais tu frises, qui ça il t'a chanté? Hein? Qui ça il t'a chanté? Ah, tu chantes tout douce, mon cher. Mais oui, ça t'a l'air, ça sent bagaille pour un jour rentrer, puis chanter. Allez, courant, là alors. Mais papa, je vais pas chanter ça quand même. Mais vous pouvez pas chanter ça? Ah, tiens, va. Mais, et puis tiens, ben, là, je dis à ma carte en tout point, nous, tu fais. Ou que vini, et puis tout matériel, là, pour m'en faire réciter tout ça, au fait, je dis. Mais non, c'est pas tu fais qui, non. C'est tu fais, c'est moi, ou c'est si quoi, puis lui, c'est Adil Paris. Et ça, comment les macaques? C'est petit, tu fais, puisque c'est soutiré ou qu'à soutirer. Papa, qu'à soutirer, pièce, mon engagement, là. C'est petit maman, moi, petit docteur, moi, comme moi-même, aime tout dis moi. Bon, pour le moment, Tifi, et Tifri, vous-même, là. Qui ça, Siko? Pas crier, moi, qu'on s'attend dans des prêles. Mais moi, ça, c'est non, et qui ça? Qui m'a dit, moi, qui a la rentrée l'école, hein, où t'es là, et puis moi, là, nous allons acheter tout ça qu'il faut, y bâtir, moi, là.
un sac transparent, un tout transparent pour tout le monde, il n'y a tout ça qui faut aller à l'école. Mais oui, mon cher. Alors, et je dis, gars, ça est cabinet, puis un caillon en main. Mais tu m'as mal à étudier, t'as tellement ça changé, mon cher, tu m'as mal à la mode. Bon, mon pas d'accord, puis la mode t'as là. De toutes les façons, portez cahier avant moi, et puis vous pouvez réciter tout ça qui est en l'air. Mais papa, j'ai besoin de mon cahier pour apprendre ma leçon. Mandou bamrey. Eh bien, obéis papa. Maman. Mais mon cher, tu m'as fait pas de bousculer quoi. Mais si y'a ça, on y passe, bon, quand ils sont sur les deux, 17. Alors, on va connaître là. Eh bien, tiens, papa. Mais mon cahier, tu payes. Mon cahier, c'est observé. Dis ça l'autre, hein. Dis ça l'autre. Hein. M'en est temps aujourd'hui. Ti frise, mais gardez ça. Gardez Kaya. Mais, ti frise, mais si on va venir garder où ça vous passe à lui. Ti frise. Tico. Mando, pas crier même comme ça. Hein? Les. Me connaître anglais, j'ai des jours. Ah, c'est des bêtises, non? Mais mon cadeau, ça, il dit, mais c'est en lisson anglais. Ils ne sont pas anglais, papa. Et comment il est arrivé traduit? Écoutez ça, ti frise. Ma chère doudou cocotte. Papa, c'est la traduction. Ah bon, actuellement, c'est la traduction. Mais oui, traduction, faut ton copier, tu m'en là. Mais ça, on est de tu m'en là, qu'on s'en attend. Mais ouais, sous-tiré, hein. C'est plus ta plus triste. Le ouais, pied, on va jouer comme ça, ou à crier, moi. Il pas qu'il fait. Hein? Vous t'en demandez, on parle bas. Écoutez ça, écoutez anglais. Hein? La première fois je te contrai dans la rue qui grondit près de chez toi, mon cœur fait bidim boum comme un bec avalé un grain de mango sec. Alors, on peut dire, mais c'est anglais, mais quand il lit comme ça, un bout comme moi qui fait jusqu'au coup préparatoire, trois par filon. Mais papa, c'est la traduction d'une lettre. Mais qui moun qui bat lettre, hein, tu m'as fille? La maîtresse. La maîtresse qui bat lettre. Alors, ça sent maîtresse pour nous, alors. Écoutez ça, oui, tu fais. Écoutez bien ouvert les oreilles. Quand j'étais vie, j'ai senti, je deviens fou et constipé à la fois. Alors, puis, dis-moi, ça c'est un bel anglais encore, moi. Hein? Mais ça, on y a compris, bagaille, tu maman là. Tu maman là, c'est maîtresse là qui va ça, ou derrière. C'est tout qu'on est anglais, ou même tout qu'on est anglais. Mais c'est justement ça, m'a pas arrivé à comprendre. Gars anglais, mon cali. Écoutez ça. Je sais senti, je sautais sur toi comme un mabriard sur le sol. Comme un zandoli sur un fétail de caille. Mais on parle pas de la science qu'il a, alors. Il n'y a pas de zandoli, il n'y a pas de fétail. C'est un zandoli. Et caille et puis zandoli, ça c'est une science, d'après moi. C'est une science naturelle. Mon cali, il y a un zandoli de écoute. Ah non, vous parlez mal, non? Je dis, vous parlez mal, non? Ah bon, regarde-moi pas responsable de tous les deux dans l'œil. Je vais continuer à lire puisque vous devez m'arriver juste la toupée lettre là qui arrive. Eh bien, je passe à même lire ça, mon Dieu Seigneur. Quand tu es en shot, tu as les tuisses de Lolo Brigida. Eh bien, belle. Et tu te dis que tu as ça, sacré bague. Mais on ne peut pas sentir que c'est. Peut-être que c'est un petit lettre qui m'a mal là aussi. Et vous-même, là, on te les connaît. Mais qui s'en dit, moi, à présent? Ti frise ou jamais connaître mon cadeau l'obétiste là. Moi, je suis cadeau de ti moment, je recherche, je suis cadeau comme ça, je suis senti, je te beau tout partout. Enfin, mon père, c'est pas ça. Non, non, plus, pas dit moi ça non plus. Attends, maman, le vêtement, c'est ça, qui croit moi, puis je bon, fais des saoulés. Ou ne, puis l'angou. Je vais continuer. Je suis un homme mariable. Eh bien, il dit, mais c'est la maîtresse. Mais oui, monsieur, il y a un varié, bidou, là, il y a un varié. Tu as encore une fille, tu es maman, il a consacré, on a dit, ça va. Mais on sait pas faire, mais tu es en bas de là pour moi-même parler. Hein, tu frise. Tu as dit ça. Eh bien, regardez ça, mon Dieu, Saint. J'en ai un lot de choses qui te pourraient te faire content. Un maman de poule jingain, coq madère, un maman cochon avec 12 pitiens, un cheval que j'appelle Eliette, un grand lit, mais il y a un jet de pinaise dedans. Ah bon? Mais oui, c'est pas la maîtresse qui t'a donné ça, ma doudouille. Oui, maman. Et alors? Mais oui, ou qu'a parle français, bye. Mais pas en garde, moi, même pas parler français, ou l'oral, ça voulait me parler français, c'est moi fâché.
à mon chauffeur parce que je dis à moi par rapport à qu'il faut observer. Mais ouais. Je vais continuer puisque mon niveau est arrivé. Je vais te attendre derrière la case de Monsieur Sanson demain à 5h. Actuellement, je vais la manger. Eh bien, Tifi, pour ça, pas rien pour arriver. Demain, vous pouvez aller à l'école. Mais papa, j'ai une hétéro d'histoire. Tu frises, tu m'énerves. Tu vas pas à l'école demain. Papa. Tu vas à l'école demain. Oui, maman. Comment? Il y a un écho par ici. C'est pas pièce l'écho. Tu te frises. Tico. Laisse-moi te dire un petit machin. Hein? Tu vas descendre ton échelle pour moi parce que tu les montes trop haut. Fais attention, je t'envoie pas la grand-messe ni pied. Prends un petit peu de dimension avec moi. Comment ça, vous avez la messe à quel moment vous avez la messe qui est allée? Tu veux me faire parler français sur toi? Mais oui, moi, ça, tout ce jour-là, vous avez pas de parler français. Moi-même, ça parle aussi. Tu m'en mailles, ou pas caler l'école des mains? Ou caler l'école des mains, tu m'en mailles? Ou pas caler l'école des mains? Ou caler? Ou pas caler? Si, tu vas. J'ai dit, tu vas pas foutre l'école des mains. Si, tu vas, tu foutes va. Quelles sont ces mafoutances? Tu vas pas à l'école demain. Mais tu vas aller maman. Maman, calme-toi, calme-toi. Mais ouais, eh ben, moi ouais, ça m'a tenu pour ouais. Eh, hey, petite ma fille, passez bon maman, vantez, gardez, soupesez, et puis dis-moi, qui t'en est qui est fini cinéma là pour moi-même commencer ce que moi ici, voulez-vous? Bon, alors, vous êtes fini, hein? Je vais vous donner une dernière phrase, petite ma fille. Demain, ou pas qu'à aller l'école demain? Demain, ou qu'à aller l'école? Comment? On est tempérament, toujours, petite fille, ou pas qu'à aller l'école demain? Ton auto tient pas pour maintenir là. Mais tu penses à ce prix. Les mains dit comme ça. Il va aller à l'école. Pour lui aller à l'école. Il va tout demander ici. Parlez du sort. Parlez mon café. Mon café. Tourne du soir, et puis. Alors, les frères Galé, nous regardons également maintenant l'autre pochette devant moi, que ma caille est mettre en position là même, mais pendant que nous avons expliqué nous, justement, j'ai qui côté de rivé et puis bagaille là. C'est sketch populaire là. Pendant qu'on va parler, ma caille est mettre en position. Alors, qui côté de rivé jouer dans la Caraïbe, certainement, nous est-ce jouer. Que ça arrive loin, Machetal? Nous jouer cette Lissi. Nous jouer Saint-Barthélemy. Nous jouons Marie Galante, nous jouons Guadeloupe, nous jouons Guyane, nous jouons en France. Ah, c'est belle en fait, non? Mais Marado, ça. Nous jouons sept lits ici, Michel. Nous jouons belle en créole, bah, les sept lits, je suis content. Hein? Je ne parle pas l'anglais, parce que non, mais moi, non, mais anglais. Nous mélangeons l'anglais. Ouais. Mais Michel, ouais. I speak English vachement well. Je ne peux pas aller jouer cette ici. Mais nous mélangeons. Bon, exactement, là, I speak English vachement well. Qui veut dire, tu as dit, maman, mais c'est le marron. Je speak English vraiment bien. Alors, je vais vous dire, Michel. Il y a une manière de dire, vous speak English, caca, biche, de vous dire. Oui. Michel, il faut que vous sachiez aussi que même manière, nous allons jouer Martinique, nous allons jouer en France. Nous mélangeons anglais hein, et puis créole là. Oui. Pour cette décision, tu comprends? Ah, et il passait. Mon gars ou là, qu'est-ce que c'est? Eh bien, mon Dieu. Nous pas fait beaucoup parce que bon. Ça mais je puis dangereux, il casse avec la oui, mais ça nous t'est fait dans les bois qu'on nous sent ici. Hein, nous pas tenir producteur. Manager, par exemple. Manager, comme ça. Parce que c'est manager là, vous avez utilisé les goûts, tête les goûts, comment on dit ça, les goûts pointus. On te dit petit pointus, mais nous jouons là. Ouais. Mais justement, là nous avons regardé en l'air en pochette, nous là, je vais constater dans la nouvelle pochette, les fleurs galies, alors je vais avoir un dessin humoristique. Hein. Alors ça, à l'époque, c'était Fouyaya, c'est quand il était habité dans le mode, et déjà le comique était entré dans la société, et je vais avoir une photo des fleurs galies, et puis il y a madame. Vous êtes madame là. Oui, c'est madame Danielle là. Oui. Oui, c'est Marilyn. Je crois que c'est Marilyn. Marilyn. Bon, des saints à Okawela. Oui.
Ça, c'est un collègue, monsieur, qui a fait l'école. Ah oui, nous ne pas préciser quand même. Enseignant. Tu es enseignant, moi, tu es enseignant. Professeur de l'école, instituteur. Instituteur. Et Daniel, tu es professeur, à l'époque, tu as dit CRG. Professeur CRG. Professeur dans le secondaire. Eh bien, de cet là, c'est un collègue qui fait ça. Donc c'est lui qui est dessinateur. Mais c'est François Durag qui fait photo tout à l'heure. Mais moi, je connais François très bien. François qui dessine ça, bah nous. Malbougue, nous avons dit bonjour, bah, François. Ça, c'était premier pochette, premier CD nous. Produit par Rico Moussial, on m'a vu connaître. Les Indiens. Et maman Saint-Pierre, mon Rico Moussial, qui était produit d'Ixala, à l'époque, qui était travaillé, et puis Narayadou. Et puis Jacques Narayadou. Et puis, et machin, maquette là, c'est Yves Agodor. Qui était à 20 Dix bas. Qui fait maquette là-bas, non. Mon père était à 20 là aussi, à 3 ans. Et bien voilà. Jusqu'à présent, Yves Agodor a été dans un tirouillet là, où ça. L'impasse. L'impasse, là, qui est l'UFCV, là, oui, blanc. Yves Agodor a été là toujours. Mais justement, je ne sais pas où nous, on dit l'autre là, l'UFCV, ou non, mais non. Alors, vous-même, c'est président. L'UFCV. Oui, l'Union. Ah non, l'Union française des centres de vacances. Qui ça veut dire que c'est organisé colonie de vacances, maman? Colonie de vacances, mais ça c'est bagaille entité en France, ça y est. Ouais. Et puis nous, c'est comité départemental. Et après le départ du membre fondateur et mes justes que tu as connu, je suis passé président. Et puis mon président, Jacques Jordi, on a fait formation et BAFA, BFD, justement, encadré et Chiang Mai en colonie, bah, comme ça. Et c'est réseau, tout ça, c'est Frère Gali, c'est le réseau, c'est tout ça. Alors, c'est ça qui forme nous, c'est ça qui fabrique nous. Ouais. D'autres mots, le contact là et puis le public, oui, etc. Le public, et voilà tout ça. Et justement, nous avons parlé de Baïta là. Vous savez, avant, nous avons fait diplôme, grand diplôme, petit diplôme, mais le BAFA. Le BAFA. Essayez, bah, nous, explication si de la que vous avez dit BAFA. Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Ça veut dire que c'est un petit brevet qui permet tout, du travail et puis tiens, maï. Centre de loisirs. Centre de loisirs, tout le bagage. Yo commandé ces monde des fois et pour venir la crèche ça va y un petit plus. Yo commandé ces monde avec bah était au classe te gardien après je gardien périscolaire. Yo commandé ces monde ça ti diplôme dans là pour venir au type du champ mais amuser champ mais faire jouer. Bah ni ça fait bah garderie monde quand mettre champ mais assis encore. C'est pour ces champ mais là faire jouer, faire chanter, faire danser, faire toute qualité bagaille Michel. Vous savez par exemple puis période à nous traverser là le confinement. De plus en plus, nous avons besoin. Eh bien, Michel, dernier stage là, nous faisons là, tenir un regain de formation, parce que les collectivités qui ont besoin de ça de plus en plus maintenant. Ouais. Ah oui. Et là, on regarde des formations, on a adressé quoi à des jeunes mounes, jeunes hommes, jeunes femmes, ou bien lorsque on a des mounes qui ont un certain âge. Non, monsieur, pas ni discrimination. À partir de 17 ans, jusqu'à 77 ans, si vous voulez, vous pouvez faire tibagaïta là, tista yuta là. Il n'y a pas de condition de diplôme, pas ni machin, pas ni niveau, pas ni rien. Pas besoin de vous pour ça. Mais non, mon ami, c'est animation qu'on fait. Debout, pas trop d'aide, quoi faire. Eh bien, tu vas nous aller. Eh bien, voilà. Et à ce stade-là, qui veut dire qu'on peut développer également certains potentialité artistique, mon nom. Oui. Soit mon nom, ça fait la comédie, soit mon nom, ça fait mon nuit, soit mon nom, ça chante. Il y a un travail énorme, nous avons fait la chanson aussi. Mais Michel, où j'avais ni fait des petites conférences pour l'origine des chansons et nos chansons créoles pour montrer ces mondes-là, que nous avons un potentiel très riche en matière de musique, en matière de chansons. Pas la peine d'aller chercher les chansons de force, les vieilles chansons qui j'attibrent dépassées. Ouais. Ça, on dit. Ah oui, bah ok, ben, voilà. Mon ami Pierre, vous pouvez. Soit tu m'as barré des enfants, hein. Même pas, je te sais encore. Mais c'est bon, je fais. Eh bien, Yvon, c'est pas Yvon qui non, c'est Michel. Yvon les petits canards. Michel Gali. Oui. Et là, où dit, mon cabra, c'est tout le monde. Je sais même des délais où ni les mondes hispanophones n'ont pas eu là, hein. Oui. Ah, c'est vrai avec nous. Mais oui. Mais il va revenir, mais il va revenir. Tu parles espagnol là aussi. Mais c'est mon nom qui parle créole, c'est mon nom qui parle espagnol, c'est mon nom qui a ni interprété, ni machin, ben quoi, il y a débrouillé quoi, il y a accédé au BAFA. Ouais. Eh ben oui. Et est-ce que. Nous apprenons des chansons, des chansons, des petites chansons, nous, et puis mon nom là, mon nom a mis en espagnol. Ah bon? Eh ben oui.
Mon n'a mette le cabane version espagnol là, mon n'a pas porté et bah il y aussi hein. Ah bon, c'est dans le cas. Ah oui. Sous le coup, c'est interactif. Interactif. C'est pas, c'est... Ah oui, et puis mon machin, puis ça va pas là en plus. Ouais. Et on peut penser que de plus en plus, parce que nous sommes dans une période où savent l'arrière Covid, ça va venir après là, ça va être chaud. Il faudrait nous diversifier justement mon, l'offre mon en matière de... Mon impression, ça caille. Et par exemple, des animateurs, Jean Bafa, peut-être. Oui. C'est mon d'arrêt de travail. Eh bien, oui, il faut. Je te dis que c'est une chose, ça n'a pas cessé. Mm. Nous t'es pensé que, et puis Covid, là, 2020, c'est arrivé, que nous t'es gagné en baisse de demande. C'est pas vrai, non? La demande est convenable. Et nous ne sommes pas la seule école. Il y a d'autres écoles qui ont fait formation aussi. Alors là, nous avons abordé un sujet également qui tient nous à cœur. C'est-à-dire que moi, je connais tout. Enseignant, moi, je connais tout. Comédien, là, vous parlez moins du formateur ou président même. Donc, le responsable. Le président, vous pouvez dire, mais monsieur le président. Eh bien, monsieur le président, excusez-moi. Voilà. Monsieur, je m'excuse. Eh bien, oui, hein. Eh, mais excusez-moi. Mais oui, hein. Le président, hein. monsieur le président, oui. On est en passion. Oui. Ou quand vous faites tout ce on est en passion. C'est la photographie. Michel, en même temps, m'entrer et moniteur à l'époque, c'est mon lutteur colonie, 70, ouais. 71, 72, 73, 74, j'ai commencé la photo en même temps. Et puis, théâtre là, et puis l'école là, et puis toute bagaille là. J'ai toujours eu la passion de la photo comme un point côté papa moi. Ah, papa, vous êtes dans le monde. C'est pas hier, fait photo, Michel. Il n'est pas un héritage. Papa, vous êtes un héritage, bon, bien sûr. C'est le plus bel héritage que j'ai quitté. Bah, moi, il n'a pas quitté Caille, il n'a pas quitté l'argent, il n'a pas quitté un bar. Mais c'est ça, on va dire. Mais il était moins fortune qu'il a. C'est un peu de nous aussi, attention. Ça sent fortune qu'il a. Ouais. Ah, sans fortune. Oui. Mais il y a des gens qui comprennent que mon rivé photographe hier ou bien avant hier. Monsieur, ça fait. Vous un moment. Oui, on est où, monsieur, ça fait un moment que je fais de la photographie. J'ai fait de la photographie, j'ai développé des pellicules. Ces photos-là, comment c'est passé là? Mon travail noir et blanc, mon travail la couleur. Regardez ces photos-là. Pour le moment, des photos de nature. Ou pas, dis-moi comment, mais la nature, c'est un visage, c'est un écologiste ou un mes flair, ou un mes belles bagues. Mais moi, j'aime ça. Moi, j'aime la nature, c'est quoi, moi, j'aime ça belle. Si moi, je comprends bien, dès le week-end, nous sommes parti dans la nature pour faire photo. Et puis, pourquoi faire photo? Regardez ça, oui. Et là, par exemple, nous avons des photos ou aussi accès à les éléments du patrimoine. Oui. Là, nous avons l'église, souvenez-vous, bon. D'abord, c'est qui côté? La Jouba. Mais non, il vient pilote, Michel. Mais qui vient pilote là, qui l'a? Il vient pilote qui l'a. Mon Dieu, c'est la Bièche. Là, c'est d'abord, c'est entre qui commune qui l'a? Passe-moi. Mais non. Et qui nous l'a? François qui l'a? Mais j'ai pris tout le monde en plateau. François. Ah, oui, on fait passer 20 ans de carrière et si tu et là, on va par exemple, là, c'est le pain de sucre. Pain de sucre, ah, mais voilà. On l'a mon mari, on l'a monté dominant. Exactement, dominant. Alors, quand on est tout partout, on dit. Mais tout partout. Bon Dieu. Vous avez dit, mon mari, il a vu le village là, nous avons là, c'est côté. Là, c'est Foncapo. Foncapo. Foncapo, Kaobé. Ouais. Foncapo, c'est Kaobé. Vous comprenez, c'est Belle Fontaine, mais c'est Kaobé. Foncapo, justement, qui a commencé là, ou quoi, la limite là. Là, c'est côté. Foncé-Denis, nous avons dit, bah, allez, Foncé-Denis. Monsieur Gali, oui. Merci en pile. Ah. Nous apprécions en pile les ailes de la mer. La plage du Carbé. En tout cas, les frères Gali sans période que nous n'avons jamais oublié. Ah oui. Et en réalisation, quand il y a une dernière image des frères Gali que nous avons regardé, Monsieur Roger Gali, en l'heure de jeûne. Eh bien oui, ça c'est des derniers vinyles à nous faire. Hein? Ouais. Et tout ça, nous mettons ça là en CD. Voilà, voilà. C'est Baptiste qui fait CDF, voilà. Eh bien, ok. Monsieur Roger Gali, merci en pile. Ouais, pas ni problème. Tout le moment à nous passer, c'était 3-9 mois là. Vous êtes prêts bien, puis M. Gali, merci.